pas vraiment lancer et repartir sur Steam parce que j'ai lancé le game. Oula. Ezreal. T'as Noxing. Il y a Mage et Astral qui ont été nerfs, mais c'est tout. Ok. Mage Astral qui ont été nerfs, mais c'est tout. D'accord. Ah, fait chier, je... Attendez. Je voyais un truc. Ah oui, il était là. C'est dommage, j'ai complètement oublié tous mes petits papiers. Oui les amis, je joue avec des petits papiers. Dragon Mancière, je wing. Hop. Avec le boule buff. Ezreal, 7. On va faire ça. Ok, j'ai jamais joué à TFT, j'ai joué qu'à des concurrents sur Hearthstone ou le mode sur StarCraft 2. Le Tour de France à Grenoble là. Dans la cuvette là. Attends. Non, c'est pas le fast speed, c'est le fast roll. Merde, je me souviens plus. Pour les échos et tout, c'est chiant ça. Guizep. Bruiser, gear upgrade, guild champion holding an item, non, ça ne m'intéresse pas. Vos unités avec pas d'item gagnent 45 d'armure. Sinon je peux gagner un bruiser avec chaîne. Ça peut être intéressant en vrai ça. Au pire je peux essayer de faire ça. Venir jouer avec Olaf, Diane, toujours, ça marche toujours, j'imagine, peut-être. Après, j'ai mis un bleu. Allez, on va faire ça. Chaîne. Karma, karma. Bon, on va voir. Au pire, c'est pas trop grave. Le blue buff faudra voir sur qui on le met. Alors que je me souviens bien, avec la comp de Olaf, il y avait chaîne. J'avais Diana et l'autre perso là en backup en. Oula. Enfin, il va falloir que je me souvienne des persos là parce que sinon ça va être terrible. Ouais, voilà. Kiana. Kiana, Braum. Donc on va faire ça, je vais ajouter ça. Tac tac tac, vas-y je vais vendre ça. Je vais garder 7. On va essayer de faire comme ça. Ouais, brum brum brum. Qui est déjà 4. Après du coup vu que j'ai fait un bleu. Faudra voir, faudra voir. J'ai testé le jeu, il y a l'air d'avoir... Ah, vous parlez encore du truc médiéval, c'est ça? H, on en a pas besoin. Je vais pouvoir rentrer Braum.
Attends, ça c'est quoi? C'est pas briseur là. Ouais, on va mettre ça, ça va faire double briseur. Ok. Alors on va faire ça en attendant. On rentre l'orageux Wing et le briseur actuellement et on attend. Il y a un Olaf déjà ici qui est tombé. Des tchoupis. Merci Psycho. Merci Norian pour le 15e mois, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment Psycho, non? Merci beaucoup, merci Olor encore pour les 2 ans sur la Juste. Merci Téton Fire pour le follow sur la chaîne. J'espère que tu vas bien Psycho en tout cas et merci pour le soutien. C'est gentil. Merci, on pourra la mettre sur Diana. On ira chercher Ginzo. Alors ça on prend baguette. Vas-y, on va prendre baguette pour Ginzo. Baguette pour Ginzo. Into blue buff. Ouais, blue buff sur Diana, on verra en fonction. En vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose le blue buff sur Diana en vrai. Peut-être le mettre sur Kiana du coup, je sais pas trop. Oui, 15 mois, ça fait longtemps. Je vais bien et toi? Ça va, ça va. Ça va très bien. Petite journée tranquille aujourd'hui. On se met à faire plein de petits trucs mignons. On verra en fonction de comment ça se passe. Et puis voilà, c'est tout. Pas grand chose de plus. Peut-être le Lia et le bleu bœuf. Ouais, peut-être, ouais. Ça sera peut-être un peu plus intéressant, clairement. Sur la Lilia. Après, là, pour le moment, on a... Tiens, ça a été changé, ça. 6% d'attaque contre les effets stack. Ok. D'accord. Bon, pour le moment, en tout cas, on est en full écho de notre côté. Ça part sur mage ici. Ou le Yasuo quand tu l'auras. Ouais. Si je peux avoir le Yasuo, ça sera pas mal en effet. Là, Senna est mon seul vrai DPS en vrai. Broom. Très bien pour nous. Le petit Broom 2. On va se mettre là. Ça. Donc là on veut bien entendu la Diana. On veut la Diana, on veut l'Olaf. Après je me souviens plus du nom de l'autre perso. Lilia et Yasuo en last pick. Fonction 2, il a 2 statiques. Lui. Vous savez qu'on avait une donation goal sur TFT où il fallait qu'on monte plate ou pas? C'est pour ça aussi que j'en profite un peu pour jouer à TFT. Mais on a joué que clairement au début de saison là. Ça va pas être possible, dommage. On perd un peu d'HP sur ça. On perd 2. Ok, on va pouvoir monter Senna 2. On va se mettre de ce côté-là. Pourquoi? Parce que celui-là ne régène pas. On connaît bien. On est à 31. Et on va essayer de monter rapidement 8 en gros. Donc on va essayer de rester toujours sur les 30-40. Et de vite aller chercher les personnages bleus épiques. Ken qui est cool. Oh. Ken qui est Rage Wings. Pas beaucoup d'items en vrai. Hein. Pas beaucoup d'items sur cette game pour le moment.
Et pas non plus la folie. Cat au level 5. Est-ce qu'on fait ça? En vrai non, on peut temporiser encore je pense avant de claquer parce que je crois que c'est 4 par passage, je me souviens plus exactement. C'est vraiment une regame pour voilà, pour se refaire un peu dessus. Alors par contre, je vais peut-être essayer de faire ça. Voilà, je vais me mettre là. Vous avez pas besoin de la minimap et vous avez les infos au-dessus. J'ai oublié de changer les places de mes persos, mais... He's a fine. Est-ce qu'il y a des gens sur ce chat qui comprennent toujours rien au jeu? Salut Doug, ça va ou quoi? Ça sent que moi, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis un petit débutant, moi. J'aime bien le jeu, je trouve ça intéressant, mais... Après, est-ce que j'arrive à jouer correctement? Ça dépend. En fait, c'est dur de jouer sur certains trucs qui où t'as pas vraiment l'habitude, quoi. The casting the ability, set caster. Ah, bon, ça, the first time you will be eliminated or is an understanding. Est-ce que ça serait pas mal? Après, ça dépend, je crois pas. Ouais, c'est pas la bonne compo en vrai, je pense qu'on a. Randouin, vas-y, on va faire ça. Résistance, on peut mettre ça là, je pense. En attendant, on peut faire rentrer ça. D'ailleurs, question, on peut gagner sans perdre de PV? Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Je crois que la VOD est même sur YouTube, mais c'était il y a longtemps. Mais cette saison, je la trouve difficile en vrai. En fait, je la trouve difficile par rapport à celle aux autres saisons auxquelles j'ai joué. Je la trouve vraiment infâme. Ah, lui il est full écho aussi, hein, le petit pote là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est. On va buy de l'XP. Voilà. Et on va rejeter deux assassins. En attendant. Et on peut mettre un ou deux refresh. Les various attractions. Xayah, Diana. Ok. Donc là c'est bien, on a nos deux assassins derrière. Donc la musique derrière là ça va bien. Alors lui il a quoi là? Il a déjà qui? Il a Idas. Mais il a Idas 1. Il commence à faire des items bien chiants encore là-dessus. Là. Enfin, des fois, hein, c'est dragon. Bah, Xayah peut être intéressante, oui ou non. Je sais pas trop en vrai. Comment? Sans item? Sans... Ah, peut-être à la place de Sana? Peut-être à la place de Sana? Là, on a besoin de quoi? En fait, là, j'aimerais... Ouais, il me faudrait... Là, il faudrait du stuff pour le Olaf, en vrai. Donc là, c'est Arc... Arc BF. Ouais, je l'aurais pas. Je vais essayer de l'avoir, mais je pense que le mec va le prendre avant. Non, c'est bon. Ok. Après, ça aurait pu partir sur un cœur gelé, mais pareil, il manque beaucoup d'items. Mais ouais, je pense qu'on peut faire ça, hein. Oui, c'est-à-dire que là on va juste en fait on va ah bah euh,
En vrai, je suis en train de me dire. Attends, Lissine? Bah, non, je pense pas que Lissine est dedans. Je me souviens pas de Lissine dedans. Après, Sona peut être un bon. En attendant quelque chose. Oh, ça va être dur avec ça là derrière là. Ouais. Sunfire Cap, j'ai pas ça. Oh. Nunu, dommage. Bah, le problème, ça va être ça. Bruiser. Ouais, il nous faut un bruiser de plus. Là ça fait quoi? Là ça fait rien en vrai. Ah si, voilà. Je peux faire ça. Est-ce que si je mets... Ok. Il faudrait un giant sur Olaf. Triple bruiser. Regardez ça comme ça. Xavier, je l'enlève. Voilà. On va rester comme ça. Ouais, ouais, ça fait beaucoup de gold en effet, bien sûr. Mage astral. Ouais. Mage astral. On est à 52. Silas. Alors Silas, même en fonction d'eux, je crois même qu'il est par là. Ouais, bah, de toute façon, il faudra mettre Lissine, il faudra ajouter un truc par rapport à ça. Et on va up, je pense. On va up juste après. 28, ça sera bien. Allez, des items, par pitié. Parfait. Giant Slayer sur Olaf. Au pays des Choupis. Merci beaucoup. Hop. Alors attendez, je fais vite fait ça. Voilà. Merci beaucoup Julien. Pas trop chaud Juice. En vrai si. Merci pour le Prime Gaming et le 10e mois. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Merci Mazino aussi et Poxinus pour les follow les amis. Merci à vous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut mettre Warmog ici. Ability, when attacking or taking stacking up to 25. On verra pour la suite. Mon bébé, faire pas trop la souris. Donc là en fait on va toujours essayer de ne pas descendre sous les 40 gold. 40-30 gold, voilà. Voilà l'objectif. Sachant que oui, Lissine, il faudra le faire sauter pour Horn. Ouais. Bon, et lui, il est bloqué dans son coin, donc c'est foutu. Nami 3, OMG. Ça, vous voyez ça? Je trouve ça tellement stupide. Mais bon, c'est le jeu. C'est juste le jeu, en fait. Ouais, au pire, vas-y, go, ça. Ekarim, Rage Wing. Peut-être que pour le moment, Ekarim pourrait être un petit peu plus intéressant que Lissine. Là, je perds les 4 briseurs, mais c'est normal, je vais faire ça. Alors, voyons voir. Il y en a déjà deux. Diana. Olaf 2, parfait. Ok. On reste à 30. J'avais un reroll. J'avais un reroll 2.
Comment ça, je mets un reroll là? Ah, des compos qui vont se bloquer là. C'est angoissant ça. Ok, donc Jade c'est toujours archi fort. De toute façon. Pour les augmentes, je crois. Je sais pas, j'ai pas vu ça perso. 52. Après je pense que je vais keep là. La Diana est pas 2 non plus, elle a pas d'item dessus, va falloir attendre un petit peu. On est à 38 HP, on est niveau 7. Medivinc, qu'est-ce qu'il a lui comme camp? Dragon et Whisper, ah, ça va faire mal. C'est qui qu'il a comme dragon? Il a qui? Siphon. Bon, il a qu'un item, en vrai ça devrait aller. On n'a pas, il me faut une Sunfire Cap. J'avais la possibilité mais je me suis fait une Warmog. Il me faut une Sunfire Cap pour la réduction de soins là sur les mages parce que sinon ça va être impossible pour moi. Donc là on a quoi? Il y a un Yasuo. Il me faut la belt. Est-ce que je prends la belt pour la Sunfire? Ouais, vas-y, hein, je vais prendre la belt pour la Sunfire. Il me faut la Sunfire. Ouais. Il me faut la belt. J'en ai besoin. Après c'est peut-être un mauvais choix aussi mais... on va faire ça. Alors attends. Ouais, quelque chose dans ce genre là. 52. Hop. Juste pour faire chier ça. Allez là. Y'a qui est là? Nunu 3. Nunu 3. Nation Goal à faire 1v1 sur TFC contre un des monstres. Ah de toute façon OMG. Ah, aux Event y'en aura des monstres. Hein. Y'a un gros roster TFT aux Event. J'arrive pas à voir Lily quoi. Je n'ai pas vu de Lily, je ne vois pas Horn. C'est un truc de fou hein, des fois. Hein. Ah, eh ben, il est là. Allez, on va rentrer Horn direct ici. Du coup, il n'y a pas besoin d'utiliser le Bruiser. Et Karim, bon, tant pis. Chaîne. Idas, l'UK, ouais. Non, il y avait Lily. Ah putain. Ah, je suis con. Ouais, il y avait Lily. C'est Choupi, merci Goliath. Merci Goliath 60, merci pour le 18e mois. C'est très gentil. Je te fais un gros bisou, merci beaucoup. Ah, la Lily. La Lily que je fais passer au travers.
Alors, est-ce que je peux me permettre de faire des trucs? Ça marche pour la Sunfire. Pas besoin d'en avoir une autre. Ok. Oh, c'est chiant. C'est très chiant. Aïe aïe aïe, c'est très très chiant. Oula. Alors attendez. Quel bordel. Comment je peux faire ça? Morello? Est-ce que je mettrais Morello sur... Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais Rabadon? Rabadon sur Diana? Tu as besoin de Rabadon, Diana, en vrai. Salut Kiel. Ouais, je joue un peu à tout en ce moment, en vrai. Un peu à tout. Ouais, là j'ai failli me faire éclater. Au pire, je vais mettre des items sur, sur Xayah, hein, MDR. Hein. Morello Horn. Ouais, c'est vrai que du coup, on peut faire ça. On va faire ça en attendant. On va faire Ginzo ici. Et bleu là en attendant. Horn est ici. Le problème, ouais. De toute façon. Le problème est que c'est peut-être la fin là. Oh putain, mais vraiment lui, 3 statiques sur Vlad? Mais pourquoi? Pourquoi 3 statiques sur Vlad? Ok. Oh vraiment, je prends un dégât. Ok. Une tentative de bug abuse. Et bah dommage pour ça. Ok, dur. Ah, je suis gold, ouais, gold 4. J'étais bien descendu en vrai. J'étais, je crois que j'étais gold 2 et j'ai fait une... je suis juste full descendu. Ok, dommage. Tout sur Diana, le Giant et Morello, non? Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça en vrai. Vlad avait un bug ces 2 derniers jours. Ah bah c'est cool que le mec joue comme ça. J'aurais dû le report. Marrant. Marrant que ça fasse ça en gold, tu sais. C'est tout net. Un boop. Oui. Allez, on va boire un coup parce qu'il commence à faire un peu chaud aussi. Ah. Aïe, aïe, aïe. Salut Jussia, tu t'es demandé où on pouvait avoir la, voir la voie lactée de la Terre. Je me suis renseigné apparemment dans les Dolomites en Italie, tu peux. Ah ouais? Ok. Les Dolomites en Italie? Je sais même pas où c'est. Oh la main, c'était pour un pote. Oh là là. Je me souviens plus. Putain, je me souviens plus des comptes. Je me souviens plus des comps. Enfin, si, cette comp là est bonne, je pense. C'est juste que j'avais pas les, les bons items. Mais ça va le faire. Tranquille.
Est-ce que... Bon, vas-y, on va prendre ça. Hein. La petite cape. Tu peux l'avoir de partout en montagne, la voie lactée techniquement. Le bug a été fixe. Chat. Le bug a été fixé, c'est terminé pour vous, chat. Hop là. Double cap, let's go. Il n'y en a pas une tout à l'heure, je m'en chope deux maintenant. Impressionnant. Bah on est reparti avec 7, je pense. On va essayer de faire un peu la même chose. Hein. Et je me souviens pas que sur le pic Saint-Loup, je l'avais vu la voie lactée. Choul. Peut-être le pic Saint-Loup, c'est trop difficile pour voir la voie lactée, mais je me souviens pas du tout l'avoir vu. Je dis pas de conneries du coup. Faut pas de pollution de ciel. Alright. Rage Wing Cannoneer. Oh. Oh la belle Diana. La belle Diana. Your team count as giving one additional stealth corn, gain a bomb. Ça peut être intéressant, ouais. Ça peut être intéressant. Vas-y, je vais prendre ça. Peach, pourquoi tu attrapes mon truc? Attrape la souris. Bah dis, c'est quoi, je bats, je la joue direct. Hop. Comme ça, je la rentre, ça fait Celeste Corn. Et c'est nickel. Et je vais directement aller y mettre la petite larme. Hop là. Très bien, pas de pollution lumineuse non plus. Je vis des ciels étoilés à couper le souffle dans le Houvar. Dépend de la pollution lumineuse dans le Vercors, vu qu'ils éteignent tout, les lumières à minuit, on la voit. Ah ouais, putain, la chance. Mais faudrait voir là. En vrai, cette année. Même par rapport au donation goal, je vais essayer de bouger un peu, de faire des activités qui pourraient surprendre, enfin qui pourraient surprendre non, mais par rapport à ce que moi avant je faisais pas du tout par exemple. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire et tout, donc on verra. Bah, peut-être mettre des choses qui pourraient mettre comme d'habitude, en fait c'est histoire de se mettre au défi, genre faire du vlog par exemple, c'est quelque chose que je sais pas du tout faire. J'avais travaillé sur des vidéos New World avec, vous savez, un peu des guides que j'avais fait, les gens avaient l'air d'apprécier, mais c'était très difficile pour moi, j'avais mis énormément de temps à faire ces vidéos là. Mais pareil, bah les streams plongés, ça dépend, ça fait... Enfin, même pour aller à la pêche, vous voyez, c'est un peu difficile et tout. J'essaie d'avoir des bonnes réponses par rapport à 30 millions d'amis. J'ai pas envie non plus de, en tant qu'ambassadeur, de faire un peu num vis-à-vis de ça, mais... Sinon, j'aurais déjà fait quelques live pêches, là, mais... voilà. Est-ce que je prends le cane? Voilà. On va y aller comme ça. Et en plus on pex. Et c'est parti. Mais un stream plongé, c'est trop dur, Luna.
Mais ouais, je pense que cette année, on va essayer d'avoir en quelque sorte un peu des donations de dépassement. Genre, par exemple, hein, peut-être spoil sur celle-là, mais peut-être genre sur un parachute. Et genre, je le fais genre en stand quasiment. Je vais juste avoir où est-ce que je préfère ça et je saute, quoi. Genre, ça peut être clairement un exemple, ça, vous voyez. Il me faudrait une BF. Donc ça, ou une baguette, ou un arc. Bon, il me faut l'armure du coup. Ok. Sur parachute, rien qu'Assassin's Creed, tu peux pas y jouer. J'ai trop le vertige. Ah ouais? Oh bordel. Rage Wing. Ah ouais, Rage Wing 3. Ah bah, de toute façon, on a pas besoin d'être à 4 là. Ouais, c'est nickel. On va se mettre comme ça. Voilà. Hop, hop. On va faire ça en attendant. Parce que là, sur mes baumes, de toute façon, il faut être 4. Et là, on va pouvoir commencer un petit peu à économiser. Histoire de. Et voilà. Salut Xoyor! Ça va ou quoi? Mais ouais, même par rapport genre des activités, qui sait, des activités sur Montpellier avec les gens. Genre en plus ça sera genre l'hiver, on pourra faire je sais pas du karting, du paintball avec certains viewers par exemple. Après enfin genre une journée avec des viewers par exemple. Hein. Après bon, il y aura pas on pourra pas faire 200 personnes au karting quoi. Un tour de France de trucs stylés à faire de partout. Je pensais à un truc, mais ça m'a l'air vraiment huge à faire en vrai. Mais en gros, ça serait... En vrai, je vais dire ça, mais vous allez me prendre pour un fou et tout. Mais en gros, ça serait pour faire de la marche. Genre, faire Montpellier, une destination. Genre en marchant, quoi. Après ça c'est pareil, ça peut pas être toujours en live par exemple. Genre je sais pas, j'ai des idées mais parfois difficile à comprendre. Ou même difficile à faire, vous voyez. Mais... ça serait... En fait j'aimerais bien faire des trucs de dépassement de soi. Genre même s'il faut prendre un mois ou deux, vous voyez. Genre je sais pas, un Montpellier-Naples à pied. OMG, je sonne à la porte de mes grands-parents, là. Dis-moi, il te faut, là. Ouais, je pense que c'est bien 80 jours, quoi. 90 jours. Ouais, c'est beaucoup, en vrai. Hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ah ! C'est archi beaucoup, OMG, Giuseppe, tu es fou. Tu es fou, Guiseppe. Ah non mais ah oui, un peu moins fort bien sûr. Non mais après, enfin, vous imaginez pas rien que le fait de la préparation, enfin le sport, enfin genre il y a plein de trucs en vrai, ça me... Ça viendrait trop me... Déjà c'est déjà bien ce qu'on fait avec le sport là. Déjà bien ce qu'on fait en sport là. Ouais, le coup aussi, bien sûr. Ah oui, c'est sûr que ça sera pas du... ça sera pas du Koh-Lanta ou du Pékin Express, quoi. Hein. On demandera pas aux gens de... Hein. Hop, on va commencer à économiser, là, du coup. Faire de la pini, ça t'a jamais branché en dehors des coups?
Non, je n'ai jamais fait et je sais pas trop. Je sais pas trop. En vrai, j'aimerais bien faire des trucs en mode ah ouais, juste il a fait ça. Vous voyez, parce que genre à chaque fois, c'est des petits trucs que je peux faire chez moi, mais j'aimerais bien faire des trucs que je peux faire à l'extérieur ou même pour aider. Du coup, la réflexion des Donation Goals cette année était un peu plus. Enfin, j'essaye de trouver des trucs. Tu veux, je peux t'accompagner sur la traversée du haut plateau du Vercors. Une spatule et trois random items. Oh, ça peut être intéressant en vrai. En termes de dépassement de soi, les défis de la nature, c'est pas mal en effet. Ouais, je pense aussi. Ginzo! Ouh, est-ce que je partirai sur ça, chat? Oh, un Olaf. Olaf, Olaf assassin? On est d'accord, hein, let's go, hein. Vas-y, Olaf assassin. Hein. Olaf assassin. C'est un combat de titan en haut à droite là. Ouais, c'est bon, ça passe, ok. Oulaf! Il s'est... Ouais, ça a été un peu nerf, ouais. Lilia, what the fuck? J'allais l'oublier. What the fuck are you doing, dude? Vas-y, je descends pas en dessous, ça me bat. Peut-être faire ça. Après, bon, on n'a peut-être pas besoin de faire ça. Pas trop là. Assassin, assassin, ouais, ça serait pique là. Bah, de toute façon, ce qui a été un peu nerf, c'est la Ginzo, on est d'accord. Parce que bon, je me souviens qu'il y avait des mecs hein, avec Swain, hein, les doubles, triples Ginzo là. Le truc crachait plus vite que la lumière aussi. Merci Krugaï pour le 34e mois sur Ajust TV. Un gros bisou, merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que tu vas bien. Merci, merci. Voilà, casse-leur la gueule, bordel. Ok, on a Horn. Mais ce qu'on veut là, c'est. Attends, je me souviens plus des items sur. Merde, j'ai plus aucun souvenir des items sur. Ah oui, baguette. Baguette, baguette, baguette. Ah ouais, mais je pourrais pas. Ouais, il faudrait une baguette de toute façon. Prends pas ma baguette par pitié. Prends pas ma baguette par pitié. Let's go. Merci! Oh, Dino Killer! Dino Killer, tu regardes pas World of Warcraft? Ça va ou quoi? Bon TFT, merci pour le 52e Dino. J'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien. Unix Park. Alors, vous savez quoi? On va faire ça, regardez. On va attendre ça là. Redemption. Pixel le KN là. Ouais, il était pixel, hein. Pas trop, j'ai regardé quelques streams, mais à petite dose. Ok, t'es en mode, tu regardes de loin, histoire de pas trop te spoil et ce genre de choses. Si jamais il y a des joueurs de World of Warcraft, je cherche des gens pour jouer le soir, pour PEX.
Voilà. Si vous voulez faire des donjons le soir ou quoi, bah... Oui, spé-moi. Je dois pex quelques persos. Histoire de faire ça tranquille et en audio s'il faut avec des gens pépés. Hein. Les quêtes, ouais, ouais, bah ouais. Moi, c'est... Moi en fait, je... En fait, c'est intéressant de voir ce qu'ils font, entre guillemets, les spells et tout, les armes et tout, mais jouer... Je pense que je pex beaucoup trop déjà pour faire des trucs. En fait, ça dépend, tu vois. Genre, Wood Elka, il n'y a aucun problème, mais celui-là, je sais pas trop, en fait. Je serais en mode, je sais pas. Je sais pas trop. Ok, il me faudrait quand même une Diana 2, j'en veux une, par pitié. Je vais monter. Même si c'est pas bien ce que je fais. Je vais monter. Je suis sûr. Alors, il y a Silas ici. Silas, après, on peut le mettre là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Silas peut être intéressant. Shen. Ouais, Shen est 2 là. Hein. Ah, mais attends, j'ai mis qui? Ah, c'est... Hein? J'ai fait quoi? Attends, il me faut Shen. Hein. Ouais, ouais, il me faut Shen. Je joue plus depuis 6 mois. Tu joues plus de 6 mois à WoW? C'est ça que tu dis? Ouais, ça fait une éternité que j'ai pas joué. Moi, je sais pas encore si je jouerai la prochaine extension. J'ai été trop déçu par le jeu. Flemme, c'est un peu éteinte. La flamme, c'est un peu éteinte. En fait, je vais vous expliquer moi ce qui s'est passé. Moi, World of Warcraft, en règle générale, ça me saoule de fou. Mais sur la dernière extension, quand on a explosé le mythique, j'ai eu genre une envie de fou de jouer au jeu parce que je me suis trop impliqué dans le game en fait à ce moment-là, vous voyez. Genre je me suis trop impliqué. En fait, d'hab, les extensions, on les fait, on l'a fini, on se casse, c'est terminé. Mais genre là, avec mon rock, je m'étais tellement genre donné à fond, j'avais regardé plein de trucs, j'avais bien souffert et tout. Et j'étais en mode... Genre quand ça s'est arrêté d'un coup, j'étais trop triste. J'étais en mode... J'ai fait tout ça pour rien. J'étais vraiment archi triste. J'étais en mode, mais putain. Au secours. Pourquoi? Juste pourquoi? Et du coup, en fait, genre actuellement, je pexe tranquillement tous mes persos niveau 60. Genre là, il m'en manque peut-être 3-4. Et genre, ça me fera 12 persos 60, quoi. Et pour la sortie d'extension, bah, je pense que je vais y jouer et je continuerai, quoi. Maintenant, c'est devenu tellement simple ce que vous avez fait. En un mois, tu le fais en 2 semaines. Bah ouais, mais bon, après, tu vois, c'est le début, quoi. En fait, ce qui est difficile avec World of Warcraft, c'est quand t'arrêtes et que tu reviens. Parce qu'en fait, tu joues plus avec les gens avec qui tu jouais, tu connais plus personne, tu sais plus ce qui se passe, tu es joueur de rien et c'est trop chiant, en fait. Genre, rien que le fait de faire ces interfaces sur tous les persos, t'es en mode, bon, ça me fait trop chier. C'est un peu ça le problème, quoi. Là, les amis, ce qui serait parfait, ça serait d'avoir Horn, ça nous ferait 4 bruiseurs. Non, ça c'est grid. Je peux pas faire ça. Ça c'est ok, mais ça je peux pas. C'est les scornes tous les jours. Ah, ça nous ferait 6 c'est les scornes. Ouais, 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 t'as raison de fou en vrai. Je pense que tu peux avoir raison de fou. Là, on a Diana 2. Giant Slayer. Qu'est-ce que vous pensez? On le met sur Diana ou quoi? Sur qui on pourrait mettre ce Giant Slayer là? Ouais, ça sera pas mal, je pense. Kiana, ouais. Kiana serait intéressant en effet. Bouge pas Kiana, voilà. Ah, je pense qu'on est bien là. Mais ouais, ouais, je pense, hein, tu rentres ça. On pourrait mettre l'emblème ici. Ah, je pense qu'on est bien parce que là, ça fait combien? 100% magic damage. Mon petit bébé. En vrai, c'était le move le plus intelligent à faire, je pense. Parce que même si on mettait un plus un, il aurait fallu un perso supplémentaire.
Ouais, là on a Horn gros. Hein. Oula, attends. Et du coup. Ah ouais, mais du coup. Ah ouais, mais du coup, si on met. Ouais, si on met. Ouais, si on met Lilia, on perd le briseur, mais. Peut-être, ouais, peut-être ça sera plus intéressant. Je sais pas. Je rentre Lilia plus tard. T'as des joueurs particuliers où tu peux être le soir car ça pourrait me motiver à monter mon perso de 50 à 60. Quand tu veux, gros. Juste, il faut que. En fait, en fonction de ce que je fais le soir avec ma copine, quoi. Mais sinon, en général, en gros, quand je lance, enfin, genre, je te whisp ou quoi, tu vois, je t'envoie un message en mode tu veux jouer là. Ouais, mais du coup, on sortirait qui? Horn, Brome. Ouais. Et après, on perd le. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Parce que. Salut, jeune homme. Vas-y, on va faire ça. Alors, on a dit quoi? Donc, Horn a le blast de Brome. Ça, tant qu'il y en a. Et on rentre. Ah, mais du coup, tu vois, Brome. Un peu ça le truc quoi. Pour mettre un Zeke, Horn ou Silas. Ouais. Bon écoute, on va voir. Je pense que là en plus je vais faire un Zeke sur. Un Zeke ici. Dès quel rank, je suis Gold 4 gros. Ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué au jeu. J'avais appris genre à la fin là à faire des trucs fast et tout, mais là je joue en mode c'est vraiment pour me poser et parler tranquillement. Bonjour Zeke, me semble correct pour booster ta. Ouais, je pense que c'était le bon truc à faire ici, tu vois. Donc on est bien ici. On va récupérer ça. Donc ce qu'on peut faire du coup ça serait de faire ça. Et du coup ça nous ferait 6. Et si là on attend un peu. Et Bruiser, on peut pas tout avoir non plus. Mais je pense que là, on serait plutôt pas mal. 100% magique aussi. Et ici, on voudrait, genre, je sais pas. Mais clairement, Dino, t'es sur mon Discord, façon Dino. Genre, tu vois, genre, ce matin, en regardant Kusa, j'étais en train de pex, tu vois. J'ai pris 3 niveaux avec mon DK, tu vois. Bon, let's go. M'amuser quoi. Ça me saoule les Swain dans un coin là. Ça me rend fou. Je vous jure que ça me rend fou. Ça me rend dingus, ça me rend. Bah de toute façon, je vais continuer à full pex. Hein. Là pour le moment, je pense que je suis bien. J'ai pas besoin de refresh, de faire de gros refresh. Ah, par contre, ça, c'est très bien, en vrai. Les amis, Hand of Justice sur Diana, c'est plutôt correct, non? Ça, c'est good, ça. Ça, c'est good, parce que du coup, ça me fait la Sunfire à l'avant. Et Hand of Justice, je pense... Diana, ouais, parfait, hein. On est bien là. Et la cape, Magic Resist. Magic Resist. Hein. Peut-être pas faire ça, mais bon. J'ai fait trop tard. Ouais, là je suis. Ouais, c'est strong là.
Sachant que là, si on reste en écho complète, on va pouvoir rajouter Silas et ça nous fera 5, ça nous fera 4 bruiseurs. Là. C'est vrai que le Sunfire était aussi intéressant sur Diana, mais bon, on va le garder sur Shen derrière. Et on met le End of Justice sur... Ah, c'est End of Justice, hein? Oui, End of Justice ici. Vous avez vu ma bébête, là? C'est Mbappé. Mbappé. Nananana. Ouh. Le foot, il a changé. Mbappé, il a changé, gros. Hop. Tiens, quand tu mangeais des tacos, c'est que ça allait arriver devant sa porte, là. Je sais que t'en as pas commandé d'autres, hein, chien. Depuis. Ok, avançons. J'en rêve. Bah, du coup, non. Faut pas que t'en rêves, du coup. Attends, ouais. Ah oui, non, mais je fous le weight. Hein. Bah, de toute façon, je pense que je vais monter 8. Hein. Je mettrai le Silas. Hein. Y a aucun souci, hein, je pense. Hein. Mais je pense que je peux vraiment temporiser jusqu'à Test of Valor, hein, voire même plus en fonction d'eux. Hein. Je mets un 8ème et je pense que derrière j'aurai écho et j'essaie d'avoir du 3 quoi. Enfin, en vrai je pense que ça peut être cool quoi. En vrai oui, en fait j'essaie de pas trop descendre, enfin j'essaie de pas descendre sous les 40 par exemple. En vrai ça serait le truc à faire quoi. Je sais pas, c'est... vous pensez plutôt pas descendre sous les 50 ou pas descendre sous les 40? Qu'est-ce que vous en pensez? Genre là on est à 66 hein, 72 on prend. Ouais, rentrer un talon à un pic quoi. Ouais, on descend pas sous les 50. Hop, on a la petite IA 2. Nickel. Ah, c'est vrai qu'on a, on a un Horn et un Brome qui sont 1. En plus de ça, on a le carousel qui va s'activer juste après. Il y a deux sortants, en vrai. Il y a déjà des gens qui sont 8. Lui avec son soigne de mort là, dans son coin là. Terrible, hein, vraiment, je déteste ce genre de joueur. Ah, Diana qui ne peut rien faire actuellement. Ah, vraiment. Ok. Il me fait rien ces conneries. Alors. J'ai un Yasuo. Guardian? Non, c'est pas du tout ce que je veux. Vas-y, je vais prendre ça pour pas qu'il le prenne. Ouais, j'en ai déjà un, mais bon. Emblème à ça, ouais, j'aurais pu prendre un emblème à ça aussi, mais. Horn. Pike. C'est vrai que l'emblème assassin. Pike, faudra peut-être le mettre à la... Ouais, du coup, la spatassa, ouais. Elle aurait été vraiment bien, ouais, en effet. Ça, Osef. Après on est passé sous 40 là. Bah de toute façon on va mettre... En plus tu as fini Elden Ring ou pas? Non. Le jeu m'a blasé. Le jeu m'a vraiment blasé. On est d'accord Spike?
Enfin, oui, Pike au lieu de Kane. Kane. Je pense qu'on est sur un bon truc. Et là, il faudrait, monter là. Après, on va voir. Peut-être qu'on aura une spatule assassin quelque part. Ouais, je vais pas le delete en vrai. Je me dis, il y a un truc qui peut arriver quoi. Je me dis qu'il y a un truc qui peut arriver. Mais c'est vrai que du coup là, si on avait eu spy, si on avait pris la, ouais, ça aurait été la folie. Ça aurait été vraiment la folie en vrai. Bon, en tout cas, lui, il regarde full quand je. Je pense qu'il faudra juste que je lui saute dessus avec mes assas derrière là. Il aura une fin douloureuse. Allez, le test of valeur, qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Faudrait des items un peu tanky pour Horn, je dirais. Désolé, j'ai mis 3 jours à écrire. Y'a aucun problème, gros. Ne vous inquiétez pas, y a pas de soucis. Ici, on va à son rythme, ok? Y a pas de problème. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre un Horn supplémentaire, là? On est à 68, je pense qu'on va garder l'argent, je vais même revendre le horn ici. Non, ça nous fait trop, je pense que là on peut... Ah non, je sais pas. C'est pas mal hein, je crois... les amis, je mets tout sur Pike, non? Ah, peut-être le bleu qu'il a pas besoin, Pike. Je sais pas s'il a besoin du bleu, Pike. Je crois pas qu'il ait besoin du bleu. Sur Horn ou Pike. Je vais quand même prendre ça. Vas-y, tu sais quoi, je fais confiance. Tu fais confiance. Hop. Et là, on va mettre Stylas. C'est vraiment la dernière chance ici. Ok. Ah, je suis con. Je croyais que c'était lui. J'en étais sûr que ça allait être lui. J'ai oublié de mettre la Diana. Du coup, la passe Zeke. Ok, ça le fait. Ah, j'ai bien fait. Heureusement que la... Ouais. Je savais que c'était lui. Et j'ai pas eu le temps de... Je sais pas s'il a les specs ou quoi. Du coup, sur les dernières secondes, j'ai tout bougé. J'ai oublié de bouger la Diane avec. Malheureusement pour moi. Hop. Donc là, il y a quoi? On cherche qui? On a un Pike ici. Ok. Oh, ça va être chaud. Y a du monde là. Y a du monde à gauche. Oh, Noshimoto! Merci pour le Prime Gaming et le 35e mois sur Adjust TV. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Astra. Ça allait en tout cas. Bisous lui. Vas-y, on va faire ça. Guild Trainer de son côté. Allez, on va. Ouais, on va essayer d'aller chercher l'Olaf 3, of course.
nous aiderait pas mal en vrai. La Diana est là aussi. Ouais, c'était son ombre. Wenfart est dead, je crois. Ok, du coup, c'est Danta OG. Ok. Ah, et je viens. Ah, j'ai eu! Let's go! Oh, la game de fou! Oh, la game de Dingus! On a été promo de Gold 3. Oh, la game de Dingus, par contre, OMG. Tellement d'items. Bah yes, en vrai. Hein. Un petit Olaf à ça. De très bons items sur les deux persos, là. C'est très bien. On est allé chercher... Du coup, Giant Slayer sur Qiyana, into le Zeke, on y a mis un Skelescorn dessus. Donc là, ouais, on était pas mal. Hein. Chain and Sunfire, Negatron Cloak. Codex Spark aussi pour un petit peu plus de résist aussi. Ouais, non, on était bien en vrai. Hein. On était bien. Hein. Ma game était vraiment cool. J'ai adoré. Ok. 4. Bah nice. Très bien, très bien. Et bah allez, on est en... Un LP. Un LP, chat. Juste un LP. Très bien. Et bah, j'aurais pas pensé en vrai. Let's go. Bah, en tout cas la compo Olaf, c'est celle que j'aime bien parce que c'est celle que j'ai le plus retenue en quelque sorte. 53 mois, aucune idée de combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Toujours le plaisir. Merci beaucoup Alpari, j'espère que tu vas bien. Toujours sur Lyon, j'imagine. Le pays du taco. OMG. J'espère que ça va en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Les genoux, les genoux. Les genoux. Les genoux. Ouais, ma gamme était bien. On est resté longtemps à 96. Il y a juste eu ce petit Swain qui nous a saoulé dans son board là, dans son coin board là. Point de table là. Et dès que j'ai commencé à déplacer, et bon, il a FF. Hein. Après, j'ai fait un double kill. L'autre s'est fait tuer. L'autre s'est fait tuer par mon image. Il reste toujours à Lyon, mais j'ai fui la canicule pour aller me planquer dans la fraîcheur et la verdure ardéchoise pour le week-end. T'as bien raison. T'as bien raison. T'as juste bien raison, en fait. Hop. On va aller chercher 7 direct pour la cape. Boup, boup. Boup, Mbappé. Hop, ça creuse des trous. C'est Neymar, ça, du coup. Fine! J'espère que tu survives de ton côté à Montpellier. C'est horrible, Alpharus. C'est horrible. C'est juste horrible, en fait. Hop là. Ah, j'ai mes parents, là, qui partent en vacances. Ils partent, ils font un petit road trip là. Ils sont pas mal en vrai. Ils vont faire genre là ils partent demain après-midi et ils font genre Montpellier-Monaco. Ils dorment sur Monaco. Ensuite ils font Monaco-Milan. Ensuite ils font Milan-Naples. Ensuite sur le retour ils font Naples-Rome. Non pardon. Ah si, ils font ça. Ils font... Sur le retour, ils font Naples-Rome, Rome-Florence,
Florence, Vérone, Vérone, Venise, Venise, Saint-Rémy, Saint-Rémy, Montpellier. Voilà ce qu'ils font. Ils se font plaisir là. Et ils se font genre ça en 2 semaines quoi. Je crois qu'ils prennent, ils ont pris 2 semaines. Oh mon dieu. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Oui, je sais, mais j'ai pas envie de jouer Jade. Je sais. J'ai vraiment pas envie de jouer Jade. Je dois l'avouer. On va attendre comme ça en attendant, je pense. Mais ça me tente pas du tout, le Jade, là. Après, je pourrais faire rentrer... Ouais, je veux pas jouer Jade. Après, j'avais un bon start avec Anivia et tout, mais je n'aime pas la con. Ouais, j'aurais pu match avec Vlad et tout, mais j'aime pas la con. En fait, j'aime pas la con, je me souviens plus trop des items, donc c'est pas la peine en vrai. Si j'étais un bon joueur et que je connaîtrais des bonnes comps et des items, je serais parti dessus. Mais en fait, des fois, partir sur quelque chose que tu connais pas trop, c'est terrible en vrai. Du coup, je préfère ne pas trop tenter les choses parce que sur TFT, quand tu tentes les choses, souvent, bah. T'es puni au tournant, quoi. T'es clairement puni au tournant. Comme ça, j'ai envie de dire. Hein ? Pourquoi il fait ça ? Ok. Ah non. Non, non, non. De toute façon, nous, on écho toujours. Hein. On écho toujours et en fonction de... On a 84, on a 22 thunes. On est pépère, en vrai. On va prendre plus 2 ou plus 4, je me souviens plus à chaque fois. Toujours un oubli, mais je crois que c'est plus 4, ouais. Plus 4. Du coup, on va passer sur ça. Hop. Le starting Rage Wing. Ça va nous faire de l'argent en plus. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà où. Et voilà. Salut Place, tu vas bien? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 5. Cavalier et guilde. Karma niveau 2. Stéjoigny. Ben là, vous voyez, genre... En fait, le mec a full roll. Mais celui-là, il a pris les... Je sais pas trop ce qu'il a fait avec son truc. Il a full roll, aucune écho. Mais pourquoi faire? Ok. On va faire ça. Comme ça, ça va nous faire la BF de Ready. Pam pam pam. Ouais, Tisana 2 là. Qu'est-ce que t'en penses, Tisana 2 là? C'est dommage parce que du coup. Ok, là on est pas mal. 39.
pense qu'on aurait pu hop, mais. Canonir. Il part sur quoi? Ouais, canonnier, reveal trainer. La compo habituelle, quoi. Pam 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 pam. Ah, c'est normal, on prend la sauce, hein, on n'a pas. On a des petits persos, on essaie de mettre en place. Ça a déjà up de leur côté. Moi, j'ai co. Peut-être juste prendre un up ici. Je vais faire entrer les deux cavaliers. Pas besoin de plus. Olaf, Kiana. Ouais, t'es parfait, hein. Là, c'est cool, hein. Genre de rentrée plutôt sympathique. Du coup, ça va me permettre de faire peut-être ça. Alors, attends, on va faire ça, ça, ça. Voilà. Ça me permet de faire ça. Deux assas, deux KA, deux scale. Bon, après, c'est pas fou non plus, hein. Là, il est quoi? Ival. Il va partir sur Mal, une combo Mage Astral. Mais il y a beaucoup de Mage Astral en vrai. Mage Astral là. Ça sent la game dure en vrai. Hop, on va faire ça. Beaucoup de loups, je suis à 46. Je suis le plus bas, je suis à 58 ici. Ouais, mais après ça a été nerf, hein. En plus de ça, en plus. Hein. On dirait le démoni sur World of Warcraft, quoi. C'est nerf, mais ça reste quand même trop trop fort. C'est vrai qu'Olaf, j'aurais dû mettre à gauche pour qu'il meure, en effet. Ok, ça c'est nickel. Petit Giant Slayer. Oh, nickel. Ah, mais c'est trop bien ça. Ok. On va mettre directement Ginzo, sans bâton du coup. On a un Broom qui est là. On a un Sylas qui est là aussi. Vas-y, on va bas XP. Vas-y, on va faire ça. Oh, elle est sortie, mon frère! Vas-y, on va quand même garder ça ici, on sait jamais. Là, les sorties ont été folles là. Voilà, en 2-3 clics. Hein. Ouais, en 2-3 clics là. Faites un rendez-vous au milieu pour profiter du passif. Rendu au milieu pour profiter du passif. Préparation, when you reach level 9, gain 9 gold. Est-ce que c'est pas mal ça? Ça met heal de 30, c'est ça? C'est marrant ça, non? Vas-y, c'est marrant ça. C'est marrant. Ok, on a chaîne ici. Donc Diana, on va la mettre là. Tac, 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 tac. Du coup, hop, on en profite. Ok. Laisse mourir Olaf. Bah, j'essaye. Vous voulez que je le fasse mourir comment Olaf en vrai? S'il veut pas mourir, je fais comment moi? Lilia Horn. Je le mets devant de toute façon. Attends.
Et ça, pourquoi? Attends. Faut le mettre au milieu, là? En fait, s'il meurt... En fait, on veut qu'il meure. Pourquoi? Parce que quand il meurt, il gagne de l'AD. Ou du speed, je sais plus. La petite unité commence le round autour de l'unité qui le porte. Donc c'est pas mal de stack les unités autour du porteur. Moi je veux bien qu'il meure. Hein. Mais là je vous dis en... En fait là on s'est permis de up. Parce qu'en gros on a eu trop de sorties intéressantes pour aller chercher nos bonus habituels. Quoi. En plus de ça on a récupéré un peu d'HP. Du coup de dernier on arrive 3. Là ce qu'on veut c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on voudrait là? La Diane est plutôt pas mal avec sa baguette. On a besoin d'une Diane, on a besoin d'une baguette. Hop. Après, on avait surtout besoin aussi d'une larme avec un shield. Orne. Orne 2. Après, est-ce que je pourrais faire peut-être ça, comme ça il irait par là. Et peut-être il se ferait tuer ici. I have no idea. On voit pas Shane. À donde esta Shane? Ok, ça me plaît. Il va peut-être mourir Olaf sur ça. Let's go. Il va se faire stun sauna. Et je vais me faire tuer par... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, si. Non, toujours pas. Sauna, est-ce que tu pourrais tuer mon Olaf? Sauna, un effort, par pitié. Ok, c'est ce que je me demandais, Sup. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que... Il faut mettre les gens à côté ou c'est vraiment sur toute la zone quoi. Mais d'accord, on va faire ça. Mais de toute façon, on est d'accord que si je les mets juste derrière, ils vont quand même sauter sur la backlane. Si je les mets là. Ils vont quand même jump out, on est d'accord. Hein. Tout autour, ça marche, ok. Bon, en vrai, on est pas mal là. Bon, là, il faut du up en vrai. Là il faut du up. Et non, on a besoin d'une cape sur Diana. Bon, en espérant que les wolves fassent un truc, mais. Bon, on retourne sur le mage Astra. Ah peut-être que Olaf va mourir sur celle-là. C'est sûr même. J'en suis sûr. Rez, il focus. Ouais, il va tomber, let's go. Il va tomber. Tombe. Voilà, let's go. C'est coup de massue qu'elle met, Lily. Ok, parfait. Restons like this. Et Karim, ok, ça on s'en fout. Ah, il y a un item qui s'est ramassé. Oh oh. On attend. Ah, je pense qu'on va attendre. Hein. Ok. Oh putain, Yasuo, frère. Ouais, sur Horn, non? Ouais. En vrai, il y a possibilité de le mettre sur Olaf, mais... Après, on peut mettre un Jolet Gauntlet. Ouais, mais Jolet Gauntlet, on peut le mettre sur...
Ouais, on attend la spat, mais là il nous faut beaucoup, hein, bon. Et oui, ça c'est dommage sur Olaf. Par contre, ça on peut peut-être le mettre. Ouais, on pourrait peut-être le garder sur Ronde par exemple. Yasuo, je sais pas si on le prend. Parce que sinon, Yasuo, on pourrait le prendre et là on met spat sur Yasuo par exemple. OMG. Qu'est-ce qu'on fait, chat? C'est quoi la vie là? C'est quoi les bails? Obsidian Cleaver, du coup, est-ce que plutôt sur Horn? Change Olaf pour mettre Ginzo à Sayu. Oh, Yasuo. Ouais, on va attendre en fonction de. Ok. Y'en a Tempest Emblem, un Kiana. Ah, ça peut être intéressant ça. Ça nous ferait. Ouais, après, ça dépend. Tempest, on a déjà en vrai, donc du coup, ça sert à rien. Or item, dead buff your team. On pourrait prendre le Iron Solari pour la front lane. Donc c'est soit on prend l'Iron Solari pour la front lane, soit on booste un peu plus nos persos qui ont des HP quoi. Enfin qui ont des items dessus quoi. Let's go. Échec. Là, c'est clairement échec quand même. Attends, mais pourquoi du coup? Ouais, Horn. Ouais. Ok. Tant pis, on verra, on essaiera d'avoir un item au dragon pour roll des trucs et qui sait, on aura peut-être une spatule assassin ou MG. Diana ici. Ok, on va attendre un peu. Vas-y, Obsidian Cleaver, je vais la mettre là-dessus. On a quoi là? Ah non. Ok, wait and see. Urgent. Ouais, non. Ok. Olaf dead. Olaf dead. Olaf dead. Chat, Olaf dead. Good, good, good. Alors, attends, du coup, on a... Ouais, il nous faut une cape. Il nous faut une cape. Ah putain. Et Olaf avec un truc, sauf que si je prends le Olaf, il prend directement l'arc avec. Ah, ah c'est trop chiant, je cours. La cape, 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 c'est à moi ça. Ok. Donc là, on va pouvoir partir sur le Yonix Park. C'est bien parce qu'il y a des... il y a grosse compo de merde là. Dommage. Donc ça, c'est bien. Ok. Que je prends le talon. Après, j'ai beaucoup trop de choix en vrai. J'ai le Ken, j'ai le Yasuo, j'ai le Talon. Là, il me faut surtout... Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh le con. Avec tout ce que je vais faire. Olaf, peut-être. Il va mourir. Pour gagner des dégâts. Peut-être. S'il vous plaît, focus Olaf. Focus Olaf. Merci. Let's go. C'est ok, c'est ok.
c'est ok, mais mes AD qui ne sont pas deux. Olaf 2 ici. Vas-y, je vais faire ça. Ça, je vais revendre aussi. Diana qui est là. Ok. Ah là, il y a Yeu. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est le gant qu'il faut que je garde à tout prix. C'est le gant qu'il faut que je garde à tout prix. C'est ça. Talent avec l'emblème Tempest avec la... Ouais. Ah, tu vois, ça, j'y ai pas pensé. Ça aurait été vraiment pas con, mais... Ouais, ça aurait été vraiment pas con. Mais en vrai, Kiana, je la trouve plus intéressante que Talon, en vrai. Oula. Oh, putain. Est-ce que c'est win? Bah non, il n'y a pas de spatule ici. Par contre, du coup, Runan Hurricane. Il y a un Reforge. Ouais, mais ça, c'est à la chance, ça. Ouais, vas-y, je prends ça. Hein. Je vais tenter un truc. La justice. Ok, on essaiera ça après. Pas s'il y a une spatule qui peut arriver de nulle part, mais... Avec l'emblème. Talon filerait direct la dé à tout le monde. Ouais. Ok, ok, bah my bad alors. En fait, là, le problème c'était que... J'aurais voulu en quelque sorte... On peut essayer de faire ça, mais du coup, ouais, on va enlever ça, on va faire ça. On va mettre ça là. Il y en a deux. Ok. Ça peut être ok tiers en vrai. Ça peut être ok tiers. Mais du coup, je suis en mode, il y a un monde où si j'ai pas de spatule, je prends le cleaver de Horn et je le mets sur... je le mets... Oh putain, Pike. Ah mais là, il y a trop. Chat, qu'est-ce que je fais? Vas-y, je le mets là pour pas que les gens le prennent. En vrai, il y a Silas ici. Ah, il y a Silas, frère. J'aurais dû vendre Yasuo et mettre Pike, je suis con, mais bon. Garde-moi, putain. Ah, le talent qui me brain! J'aurais dû enlever le talon, mettre Pike
C'est sûr, à 200%, j'aurais dû faire. C'est le move que tout le monde aurait fait dans ce jeu. Ah, la Zoé de mort. Là, il y a Sou, il me sert à Cud. Ok. Oh. Pas de spatule. Invoqueur, canonnier et cavalerie. OMG. Vraiment, quoi. Solari, j'aimerais bien aller chercher le truc en haut là. Ça va être pris. Vas-y, je vais prendre Solari du coup. J'aurais dû prendre Pike. Il y avait encore un Pike ici. Est-ce qu'on dirait que je veux pas jouer Pike en fait? Alors on va faire ça. Hein. Il dirait vraiment que j'ai pas envie de jouer Pike. Hein. Oh, Diane 3. Ouh, Diane 3. Le gun sur l'AF aurait été ok. Un range pas mal. Ouais, ouais, il y a le gun aussi, mais. En fait, là, j'attends un peu de voir ce qu'on fait par rapport au, enfin, au dernier item ici, là. Par tout ce que je fais avec ce bordel. Ok. Bon, toi, si tu sors. Même pas, il reste un HP. Ok. Ouais, t'as plus d'item T1 qui va tomber. Ouais, du coup, j'ai pas le. Un brome ici. Vas-y, hein, je vends ça. Lilia Chen. Ok. Mais du coup, le. Ouais, je vais peut-être faire ça alors. Hein. Je vais être Gauntlet, je vais le mettre là. Hein. Ouais. Vous êtes pensé. À part s'il y a 3 items sur le test of valor, quoi. OMG. S'il y a 3 items sur le test of valor. Au secours. Ah, je pense que Horn, je vais lui enlever son cleaver au pire et je le mettrai sur, sur Olaf. Hein. En fonction. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme item? Ok, Morello. Ok, bah du coup, les amis, on va faire ça. Je vais mettre ça ici. Gauntlet. Blue buff sur Horn. Oh putain, c'est chiant de fou, ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bon, en vrai, c'est pas mal. Morello, on a dit qu'on allait le mettre ici. Silas. Infinity. Bah, on va le mettre Infinity sur, sur Talon, non? OMG. Ok, Talon 2. Parfait. Bon, bah, go Echo maintenant. Ouais, le classique Miss Order. Exactement. Exactement ça. Le classique, ok, je fais. Non. Ce nom là. Non. Aïe aïe aïe. Ok. Silas qui va taper sur la backlane là-bas. OMG, OMG, Olaf, oui, sur le shield là. Boum. Il se retourne sur le mob qui a été invoqué. Et bam bam, meurs Olaf, let's go. Plus de dégâts, lol. Plus de dégâts pour Olaf. Les gens qui se disent, mais pourquoi il est content si tu sens Olaf meurt, il est con quoi. Let's go. Bon, quatrième place. De sûr, on a des points. 60 points. Aïe aïe aïe, ça c'est le problème. Il est 9 lui. Ah ouais, ah oui. Donc lui il a quoi? Ok. On en est là.
Ok, on en est là du coup. Mage Astra, lol. Ah, le petit barde là qui met un stun de dingues. Parfait, nickel. Ok. Moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2 chat. Non, moins 1, pardon. Je crois que lui était dead, mais en fait, il a eu le premier au-dessus. Ok. Alors, est-ce que je fais la voix de la sage? Ouais, j'attends, j'écho. Va peut-être falloir commencer à mettre des assas en posi pour tuer les caries. Ouais, tant pis pour le buff. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il va falloir... Bah après, ça dépend. En fait, ils sont plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Là, il est à gauche. Là, ça reste en plein dans le bac. Hein. Si ça chope Rise, c'est cool. En vrai, c'est ok. Ils sont split et tout. DJ vient d'apparaître. Ah, DJ est là, non? Ouais. C'est bon, il y a Diana qui est dessus. Allez, Olaf, tape fort, là. Ça tape. Ok, nice. Il a des pops. Ok, lui, il est fini. Par contre, c'est l'autre qui me pose problème. Le mage Astra. DJ à 3. Mais il est mort, lui. Non, le DJ est foutu, là, les gars. Ouais, le DJ est foutu, là. DJ est foutu. Je crois que je vais partir sur côte épineuse. Côte épineuse. Ici. 34. Ouais, ouais. De toute façon, ça va jump sur Riz. Hein. Faut que ça prenne Riz. Hein. Je vais prendre la musique, OMG. Ouais, Zoé, t'es pas dégueu tout à l'heure avec ces items, ouais. Et là, de toute façon, c'est le bard. En fait, le bard avec. En gros, si le bard arrive à avoir un bon stun avec la Zoé qui a de bons items sur double gant là de mort, bah ça peut faire mal. Genre là, normalement, ça devrait tenir. En fait, si la Zoé a pas d'items foufou, c'est ok. Parce qu'en plus de ça, il est 9. Hein. Moi, je suis 8 derrière. C'est vrai que tout à l'heure elle était bien niveau item. Donc à voir si c'est possible ou pas d'aller arracher un deuxième top 1, mais ça va être quand même dur et je pense qu'il va swap en fonction de. Après on peut directement peut-être essayer de sauter sur la Zoé, mais j'ai peur que le Riz et tout nous éclate en vrai. Hein. Après on peut peut-être temporiser. Vas-y on va tenter un truc là. Ah oui, si jamais par la suite, ouais. Ah, il a avancé son rise. Moi, je saute sur la Zoé derrière. Ok, c'est pas mal. Allez, termine. Ok, c'est nice. Ok, nice placement. Ça prend... Ouais. Le bard est sorti. Ok, nice. C'est costaud, hein. C'est costaud. Oh, la Lilia est tellement costaud. Let's go. Oh la Lilia 3, à secours. Oh la Lilia 3. Ok. Ah, c'est aller sur Horn, du coup. 5 en 3. On va attendre avant le up, je pense, histoire de faire le PvE avant. OMG, je me suis rappelé de ça. Il a quoi comme item lui? Zephyr? Oh, fais chier. Ok. C'est win. Va falloir voir le placement en vrai. Champion duplicator?
Ok. Let's go, hein. J'aurais peut-être dû prendre Yasuo là. Ah, il y a des grosses claques là. Ouais. Et il est 3 à l'Orise là. J'arrive pas à trouver mon Olaf. Ok. Ouais, faut sauter cerise. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de fou, hein. Ah, ça va peut-être win en vrai. Ah, il win, hein. Il win. Oh, il win, putain, il win, quoi. J'ai cru en vrai, hein. J'ai cru. Hein. Putain, l'enfoiré. Ouais. The over, ouais, j'aurais dû changer. Ah, il l'a mis là, enculé. Oh là là, quel combo d'animal! Dommage. Trop dur. Mais bon, on est quand même allé chercher 32 points. Ah, c'était chaud son truc là. Ouais, là, de l'utilitaire, mais il aurait fallu la monter 2 et tout. Ça aurait été difficile, mais bon. C'est vrai que j'aurais dû peut-être la prendre aussi de ce côté-là. Les amis, je vais chercher mon checker, je reviens de suite, mais c'était quand même une bonne game, j'arrive. Aïe aïe aïe, heureux. À la fin, il a fait rentrer. Ah, mais il avait un Twitch. Il a pas vu son petit Twitch. Ok, bon. Allez, une dernière. Une dernière, ensuite on ira faire autre chose. À part si on fait un top 8 dégueulasse, quoi. Dommage pour l'Olaf pas assassin là. Ça aurait grave aidé, je pense. J'attends. Si ça se referme sur toi, tu vas avoir peur.
Bouboui. Ah oui, bébé. Allez, une dernière. En vrai, je vais essayer de monter plate juste pour le donation goal du The Event l'année dernière. Avant le The Event. Donc j'ai 2 mois encore. Il faut. Pitch. Bouille. Non, pas là-bas. Eh. Non. Lâche ça. Arrête de vouloir toucher à tous les câbles. Non. Merci Dulken. Et yo, toujours un réel plaisir de te suivre, juste une personne profondément gentille, quelle belle âme. Oh putain, c'est gentil, merci, tu vas me faire rougir de fou. Merci Dulken, en tout cas, merci pour ce 9e mois, c'est très gentil. Salut Lunachia. Peach, est-ce que tu veux bien ne pas te mettre là, par pitié? Oui, et allonge-toi, oui, parce que, hein. Allez. Alors on fout. Papam, papapam. Attends, mais c'est toujours. Non, mais c'est pas possible. Peach, tu vas finir de. Tu vas aller dehors, hein. Arrête. Ne va pas vers les câbles. Je suis pas d'accord. Non. Tu vas pas me faire un setup là. C'est pas câble management. Salut Yellow. Elle fait du. OMG, elle fait du câble management, bitch là. Mais OMG, un Olaf. Attends, mais par contre, la dinguerie là que j'ai eu là. Mais comment ça? Qui fait une session de sport aujourd'hui, chat? Qui se tue aujourd'hui, hein? Y a pas que moi, là, ce soir. Je suis sûr qu'il y a des gens, là, qui font du sport ce soir, là. OMG. Ça va les persos là ou quoi? 3 persos, 3 là. Amorphe trop chaud. Ah ouais, non mais je comprends. Peach! Mais c'est pas possible, t'as un problème ou quoi? Et t'as un problème avec les câbles? T'es électricienne? Anima visage. Je sais pas quoi prendre. Anima visage, je sais que c'est très fort. Les devs défiants, je pense pas que je vais la prendre parce que sinon ça ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais mettre ça en attendant sur ça. Et je vais attendre. Peut-être si j'ai personne m'amène dans un piège au bas. Peach. Je sais que t'es joueuse, mais là il est que 16h30. Papa il stream jusqu'à 18h. Mais après on a le sport. Hein. Je fais le sport avec moi. Allez, exactement. Non, c'est pas possible. Mais t'as un problème ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 10 fois. Je vais t'amener à voir maman. Oh, mais c'est un truc de fou. Elle se jette dans les câbles en fait. Elle se jette juste dans les câbles. Genre il y a les câbles devant elle, elle tombe dedans. Genre normal quoi.
La dingue. Juste la dingue. Peut-être essayer de faire ça là. Hein. Vas-y, mais de toute façon, on va se mettre là. Hein. Olivier, il sert à quoi là? Peach, je te vois, hein. Et tu le fais exprès ou quoi? Là, tu t'es dit que t'allais toucher à tous les câbles du PC, que tu voulais mordre des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne sert à rien ce que tu fais là. Tu fais quoi? Papa joue avec moi. C'est un peu ça, Dino. Ouais. Dino, au pire, j'arrête le live, on va jouer à WoW, quoi. Y a peut-être moyen que je te dise ça à un moment donné de ta journée, ok? Dino, je monte un DK tank, du coup. Je sais pas ce que tu veux monter comme perso, toi. Mais voilà, je suis en train de monter ça, là. J'ai un pub de prévu. Ah, t'inquiète, hein, de toute façon, moi, je vais pex et puis ça sera avec un autre perso, dis donc. Tu montes que des DPS, là? Ok. Salut YOLO! Ça va ou quoi? Mais putain, mais tu es mon Olaf, par pitié! C'est chaud, je vois WoW, mais quelle idée. Progress m'a fatigué. L'Iriagno. Bah là, c'est pas le... En fait, là, je fais zéro progrès, je fais juste du pexing sur mes persos. Juste histoire de me remettre dedans, en fait. Parce que là, j'ai aucune idée de comment pex mes persos. Enfin, genre mon rogue ou autre perso que j'aimerais monter. Aucune idée, hein. J'en ai vraiment aucune idée. Et j'ai même pas envie de me poser la question. D'accord, monsieur. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, l'Iranion. Là, mon objectif, c'est monter... Il me reste 4 persos à monter 60. Et j'aurai 12 persos 60. J'ai mis un mois sur mon compte, là. Et j'étais en mode... on voit ce que ça fait. Peut-être faire ça. Mais ouais, là, Montpellier fait 36, hein, je crois. Mais en vrai, heureusement que j'ai monté là, en fait, j'ai depuis genre début de semaine, je crois, j'ai monté la clim et je pense, bon, voilà quoi. Après, il fait quand même chaud, j'ai deux PC en dessous. Qu'est-ce qu'il y a, Peach? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'es pas contente? Si, t'es contente, tu veux des câlins. Mais je sais que tu veux des câlins, mais tu veux que je fasse comment, moi? Je peux pas travailler et te faire des câlins en même temps. OMG. J'ai vu fou avec 39 annoncé mardi. J'ai la copine de mon frère qui est portugaise et le copain de ma sœur qui est portugais. En fait, les températures dans leur ville au Portugal, c'est juste une dinguerie, les amis. Je crois que vers Porto, ça faisait genre 42, 45 degrés, j'étais en mode quoi. Et plus bas, bon, c'était un peu plus tranquille, mais genre, ça tapait, quoi. C'est du lionnage. Ouais. Au nord de Porto, je crois qu'elle a dit genre 42, 45 degrés cette semaine, j'étais en mode quoi. Jamais je vais avoir 15. Jamais, sir. Ouais. Oh! Un petit chat qui a sauté qui va derrière ses écrans. Je t'ai vu. Regardez là. Vous l'avez vu sauter ou pas? Ça fait... Elle me fait rire quand elle saute comme ça.
Il y a des voitures à Dubaï qui fondaient sur le sol. Let's go. En vrai, il n'y a aucun problème de la clim. Tu mets ta côte de bœuf à la fenêtre et en 10 minutes, c'est cuit en fait. Putain, on en rigole, mais c'est tellement la merde, chat, en vrai. C'est tellement la merde ce qui arrive, en vrai. Ça fait peur, hein. Ça fait peur de fou, hein. Est-ce que vous pensez que l'anima visage, je le mets plutôt sur... Je le mets sur Lilia, non? Je vais pas le mettre sur chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez, chat? Je pense que sur Lilia, c'est fort, en vrai. Oh, j'ai re une cape. Ok. Être sous le toit de Paris sans clim et voir 38 à la météo. Non mais ouais, mais je sais pas comment vous faites les petits potes. Hein. Pour un adage demain avec les maîtres de retail, l'honneur va me manquer. Ah. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Alors on va mettre là pour qu'Olaf puisse die tranquillement. Et du coup je pense que ben, l'anima visage on va la mettre quand même ici. Ça on va attendre. Si jamais on peut avoir une spatule. Ouais vas-y on va attendre. Sur Brom 2 anima est super fort couplé à un Warmog. Ah. Ok. Je vais essayer de faire un truc par rapport à ça par la suite. Regardez-le, Olaf, il est trop dégoûté, il est pas invité à la soirée, quoi. C'est horrible. Peach ? Eh ? Je te vois, là. Je crois que je la vois pas, chat. Ok. On va prendre ça. Kiana, let's go. Vas-y, je vais rajouter Skarner pour faire Bruiser en attendant. Horn. Mieux. Juste mieux en fait. Juste mieux. Ok. Isoké, ça va squatter la piscine du gîte toute la semaine. Ah bah tant mieux, ouais. Et du coup, Lyria New, tu vas... Attends, mais vous y allez à combien, là? Vous y allez à 40, ça n'a rien. Vu que j'ai vu que c'était le pex de classique. C'est quoi, c'est un raid 40 qui va... Vous y allez à combien, en Ardèche, là? Oh. Et encore une fois, mais comment ça peut partir déjà sur 3 en astral, alors que tout le monde devrait pick ça. Ah oui! L'énorme claque qu'elle lui a mis. OMG! Oh dommage! Dommage, mais bon, on perd pas beaucoup d'HP, c'est bien. Oh, dommage. Dommage de fou, en vrai. C'est bien, ça nous fait perdre un peu de place. Comme ça, on peut aller chercher un item. Et ça, c'est plutôt cool. On est une vingtaine, une partie de notre R1, quelques membres du R2 et des Friends. Péter les plombs. Ah oui, donc vous êtes genre... Ah oui, ok. Vous êtes pas full R1, quoi. Attends, mais R1, attends, mais votre raid 10 du coup. Ah, vous avez deux groupes de pour faire vos raids derrière. Raid 20. Attends, je dis de la merde ou pas? Oui, les raids 40, ça existe pas. Hein. Si, ça existe les raids 40. Attends, je dis de la merde ou pas? 5, 10, 15. Non, non, c'est 20, c'est 20. Raid 20. Burning Crusade. Allo, Juice, j'en oublie. Le R2 qui ne finira pas le mythique, du coup le patch arrive trop vite.
Hein? Mais le mythique de quoi? En classique? L'Iranio, est-ce que tu confonds deux jeux différents là? Ah, retail, mais putain, mais je suis con. Retail, c'est pas classique. Eh oui. Putain, je suis con de fou, ouais. Mais moi, c'est trop chiant, là. Ah oui, c'est archi chiant, moi, là. Ok, c'est bon. Putain, heureusement. Heureusement. C'est chaud, t'es excusé. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Oui, retail, oui. Mais du coup, vous êtes beaucoup à y aller. Donc. Vous êtes quand même beaucoup à y aller, quoi. Ah, il y avait ça qui traînait d'ailleurs. Merci Lyra, merci beaucoup. Lyria New, merci beaucoup pour le Prime Gaming et le 9e mois sur Adjust TV. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Noshimoto ? Mais Noshimoto, je crois. Putain, j'ai oublié Noshimoto, je crois qu'il fête bientôt ses 3 ans, OMG. Noshimoto, c'était là, excuse-moi, je t'aime. Merci beaucoup, l'ami. Excuse-moi, j'ai oublié, mais je crois pas que j'ai dit ton pseudo. Et salut, Itachi. Ces énormes coups de bam, tellement mal. Boum. Ah, boum. Ah, dommage, je vais aller sur Corki, c'est stupide. Dommage. Bon, c'est normal. Il y a pire, l'IRL que je fais tous les ans à l'ascension, on était 57. Vous êtes fous. Lutis Wizard, merci pour le Prime Gaming et le 3e mois sur Adjust TV. Ça fait plaise. Merci beaucoup. Merci. Un gros bisou, c'est gentil, merci. Pam pam papapam papapam poum poum poum. Pipi poum. Papapoum. Bibi boum. Papapoum. Bibi boum. Il faut que j'aille faire pipou. Je vais faire pipi, les amis, j'arrive. Est-ce qu'on a gagné? On a gagné? Oui, on a gagné tout à l'heure. Comment ça va, Lutis? Tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Bah, tous ceux qui nous rejoignent, hein, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous n'avez pas trop chaud. C'est le bordel, je sais. C'est terrible. I know. Ok, Iconic Spark, ça c'est cool. On n'a pas eu, malheureusement, je n'ai pas eu d'armure. Je n'ai pas eu d'armure. Après, je pense que je vais faire ça, je vends le week-end. Comme ça, moi, j'aurai talon ici. On va continuer Apex, chat, et ramasser un peu d'argent. Il va nous falloir notre Olaf, il va nous falloir notre Diana 2. Ça sera pas mal. Juste encore au taf, je suis tout seul au bureau, merci de m'accompagner cet après-midi. Oh merde, t'es tout seul. Rentre. Courage l'ami, moi aussi je suis tout seul au bureau, regarde. J'ai personne. Vous êtes là. J'ai de la chance. En vrai j'ai de la chance. Mais encore une fois, j'ai trop hâte de jouer à WoW. Et encore une fois, je le répète, hein, s'il y en a qui jouent à WoW le soir et tout,
Je monte des personnages actuellement, j'ai besoin de gens. Voilà. Donc si jamais, on peut même se créer un petit truc là et go quoi. Attends, comment ça? À voir si on peut pas changer ça. Mais pourquoi tout à l'heure j'avais... Attends, est-ce que là si je mets un Salis Corn, j'en ai... Ah ben non, ça marchera pas comme ça. Oui, ça marchera pas comme ça. Grave chaud pour vous. Pour vous dire, voilà, en fait j'ai des persos qui sont genre 45, 50. Et en gros, il m'en reste genre 4 je crois. Et en gros, j'essaie de trouver des gens le soir pour jouer ou même pour les monter en fait. Donc même si vous êtes... Enfin voilà, si vous avez rien à faire de vos soirées et tout, vous m'envoyez un message. Ou genre regardez Discord parce que je vais mettre des arrobas World of Warcraft et du coup s'il y a des gens qui veulent venir jouer, ben voilà. Je suis un désintox de WoW. Bon, je suis accro à GTFO et Monster Hunter maintenant, pas sûr que ça soit mieux. Ah, GTFO, c'est bien, Fex. Moi j'aimerais bien, on en parlait tout à l'heure là, j'aimerais bien repartir un petit peu sur GTFO. Parce que moi j'avais bien kiffé en vrai. Il faut que j'arrive à choper du 2 là, c'est pas possible. Hein. Ouais, là c'est pas possible du tout. Est-ce que je viens de passer un Silas? Oui. Je viens de passer un Silas. Même bon, heureusement que j'en ai pris un. Va falloir qu'on économise un peu là, mais... Ouais. Oh, Yasuo, il va se prendre une mandale, voilà. Allez. Ça, c'est bon. Allez, par pitié, messieurs, dames. Ok, j'ai un pike, mais ouais, il me faut une armure, là. Il me faut une armure. Bon, la spatule, ça va être chaud. L'armure intéressante. Si je peux avoir l'armure, c'est cool. Ok, je peux pas avoir l'armure. Vas-y, je l'ai pas eu, c'est ça. Ok. Ok, pas d'armure pour moi. Du coup, on a récupéré une BF. Ah, c'est dommage, ça. Putain, mais il y a combien de brumes, là? Attends. Ok, ça me plaît. Silas, on va garder. Ok. Ça fait plaisir quand tes deux AD carry montent deux comme ça d'un coup là. C'est cool ça. Si jamais tu veux faire, hein. Tu en faire, je suis archi chaud, même si la section GTFO sur le Didi, surtout que le nouveau rundown est colossal. Oui, non, mais en fait, c'est juste à un moment donné, je pense qu'on va faire un truc avec les modérateurs et tout. Je sais qu'il y en a, bah, Comartanis qui l'a, je crois que DRK l'a aussi. Et il faudra juste des gens qui soient là pour pouvoir enchaîner les choses quoi. Salut Abo, bonjour. Oui, la prog aujourd'hui qui s'arrête à 18h hein, parce que j'ai sport derrière et on reviendra demain avec un jeu VR. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé. Il y en a quelques-uns que j'aimerais bien tester, mais. On verra ça demain. Vous tiendrez au joue. Ok, donc là, je pense qu'on va pouvoir. Hop.
Salut Tepo, tu vas bien? Bonjour, bonjour. Oh, le nettoyeur simulateur depuis hier là. Tu es toujours sur LA? Attends, comment ça? T'es à Los Angeles là, Warhol? Quoi? Vas-y, je vais quand même prendre un bro parce que je me dis que ça va peut-être monter à un moment donné. Là, je vais rien comprendre. Ouais, Lost Ark, je pense. Bien sûr. Jeu de robot. Lost Ark. Allez, feu, feu. Voilà. Let's go. Ça part. C'est compliqué TFT quand on n'a jamais joué car j'aimerais bien tenter mais il a l'air d'avoir tellement de choses à savoir. Spunker, en vrai, ça va. En gros, dis-toi, tu prends une matinée pour lire certains trucs. C'est ok après. C'est vraiment ok. Oh, ça c'est intéressant. Mais du coup, on n'aura pas de... Ouais. On n'aura pas... Ouais, non. Ok. Vas-y, on va faire ça. Il faut qu'on fasse ça. Hop. Il me faut un Frozen Heart. Ouais, non, ouais, faudrait voir. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ouais. Comme d'habitude, j'essaie de faire confiance au carrousel et puis ensuite on verra. Donc là, comme d'hab, le petit astral, la mage, hein, les gens savent jouer que ça. Comme moi, je sais jouer que ma comp, par exemple. Du coup, tu vois, Spunker, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Juste pas besoin de savoir grand-chose, en vrai. T'apprends ta comp, la comp des autres, les items qu'il te faut, et c'est gagné, tu vois. En vrai, on dirait que c'est très difficile, mais après, en fait, quand c'est très difficile, c'est quand tu joues à très haut niveau, parce qu'en fait, en fonction de ce que tu... Comme d'hab, en fait, tu vois ce qui sort, t'es en mode, ok, je vais partir sur ça, j'ai ces items-là, c'est bon, c'est go. Enfin. Mais genre, avant plate, en fait, les gens se posent pas de questions, c'est juste des mecs, tu vois, genre, ils ouvrent leur écran à côté, et ils ont des bulles déjà tout fait, et ils essaient de faire des trucs, tu vois. Avant platine, tu vois, à part les mecs qui se meurent parce qu'ils arrivent pas à monter, enfin tout le monde regarde des trucs et il n'y a pas vraiment de sens à ce qu'ils font, tu vois. Donc en fait, pour comprendre TFT, ça va encore. Ouais. C'est pas con. Mais du coup, je vais pas le delete non plus, je pense. Et là, j'ai... Est-ce que je... Bah attends, mais même pas. Il y a même plus besoin, en fait. Parce que là, je vais acheter. Hop. Et voilà. Et là, je... Bah, en fait, je rends tout le monde. Comme ça. Voilà, je vais faire ça comme ça. J'attends juste ça. On peut faire ça aussi, ouais, ISO. En fait, j'attendais ça. Non, non, Diana. Diana dans la tourmente. Salut Tigrou, ça va ou quoi, bro? Bonjour, bonjour. Ça va ta journée, pas trop chaud? Je comprends les comptes, mais il faut aussi comprendre le jeu à partir de platine. C'est là où ça devient important. Oui, exact. Et du coup, comme d'habitude, c'est là où les gens se prennent la tête aussi et qui font n'importe quoi. C'est tout. D'un côté, t'as ceux qui font comme Juice, ça dit. Et de l'autre, t'as les tarés dans mon genre qui forcent le talent tout différent pour taper des dingues.
T'as le même style, je fais que les champs de bataille sur Hearthstone, mais TFT a l'air plus complet. Bah c'est un bon petit jeu, tu peux te poser et genre t'es en mode let's go quoi. Putain, dommage, j'ai pas de Warmog. Ah si, il y a une Warmog, je suis con. Elle est partie là. Ok, les gargouilles sont prêts en stand, let's go. Vas-y, je vais prendre ça. Hein. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et je vais la poser sur. Hop. On va y mettre un peu plus d'armure. Diana. Après, si là, on s'en fout. Je pense que je vais juste faire ça. Ok, du coup, bon, Infinity Edge. Quicksilver. En vrai, est-ce que je mets Quicksilver sur Olaf? Vas-y, je vais faire ça. Bon, Quicksilver sur Olaf. Elle est comme ça. Salut Battle. C'est par ici la science, presque, presque. Ça va? Ça va, c'est une bonne journée. Ouais, la Sunfire. Hein. Ouais, je l'ai pas ça. Ça, ça va me coûter la game aussi, ça. Et ouais. La Sunfire qui va me coûter la game, je pense. Chaudement juice, mais ça va. C'est vrai qu'il fait chaud de fou. Hein. Je pense que Talon, là, on peut le mettre de côté. Voilà, Phidas, Rome. Bordel. Double Solari et Calice of Power. Ça va l'armure ou quoi là? Non mais Nami 3, vraiment, c'est une aberration le truc. Hein. Nami 3 est une aberration hein, sur ce jeu. Salut Jadur, ça va? Bonjour, bonjour. Ta journée s'est bien passée à toi aussi? Comme ça, y a pas de jaloux? Let's go. Allez, on continue. Solari, ok. Ouais, bon. Petit décalage d'horaire, il est presque midi pour moi. Presque midi pour toi? Où est-ce que t'es? Attends, où est-ce que t'es? Au Portugal ou quoi? Non. Attends, mais où est-ce que tu peux être avec 4 heures en moins? Enfin, 5 heures en moins? Ah oui, bah, non, t'es aux US ou quoi? Où est-ce que tu es? Ok, comme ça c'est ok, ça va passer, il va faire le tour. Montréal. Ok. Ça va, ça se passe? Il fait bon aujourd'hui à Montréal. T'aurais pas croisé un centuplé champion du monde? Oh là là, l'animal. Quoi cette composition là? Draven Axe. Attends, mais Draven Axe, ça marche pas avec la thune. Ouais. C'est moins chaud qu'en France, un petit 23. Oh, fait plaisir un petit 23 degrés en vrai. Ça, je crois que la dernière fois qu'on a vu 23 degrés, ça devait être genre septembre d'année dernière, je crois. Quel mytho ce Juice, quel mytho. Quel énorme mytho, c'est pas possible en vrai.
Plus mytho que lui, y a pas. Ouais, c'est deux combs pas cool pour moi là. C'est deux combs vraiment pas cool pour moi. Dans une avec la Sunfire. Oh mais Astral. Mais pourtant ça a été nerf. Mais c'est si fort là, c'est un truc de fou. Ah, il a Zoé derrière. Allez Olaf. Tiens bon. Tiens bon Olaf. Par pitié, tiens bon. Bien tenu là. Oh, c'est trop dur cette comp pour moi. Ouais, trop dur. J'ai pas la Sunfire là, c'est chaud pour moi là. Astral a pas vraiment été nerf. Je sais pas, des gens disaient ça tout à l'heure. Les gens me mentent. De toute façon, je vais essayer de tout donner. Hein. Oh, c'est abusé, frère, par contre. Ok, j'ai une Diana ici, un Horn. Oh, c'est la dinguerie. C'est vrai que mon Horn est 1 en plus. Alors, est-ce que je peux essayer de faire un truc ici? Contre lui. On va aller chercher une deuxième place. Mais ce qui fait quand même peur. Ouais, ça fait trop mal. Hein. Bon, ça va. Ça passe. Ah, son image. Je crois que c'est son image du coup qu'on a eu. Ok. Zeke. Ah là, ça, hein, dommage. Hein. Dommage, dommage, c'est à ça. Pour le bon Olaf. Tant pis. Oh, Diana 3. Ah, c'est chiant ça. Puis tout double. Ouais, là c'est... à 100 de HP, monsieur. Ok. 100 de HP. Ouais, il est 9. Hein. 9, 8. Diana est allée bien bloquer Varus de l'autre côté, là. C'était pas mal, ça tombe. Parce que là, c'est la Zoé. Non, c'est Aurélien Sol. D'accord. S'il arrive à tanker un petit peu plus Olaf, ça peut être bien. Oui, 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 c'est nickel. Un petit peu de régène HP en plus de ça sur kill. Ok, nice. Bah, de toute façon, dès qu'il aura Aurel son 2, c'est fini. Hein, ouais. C'est juste terminé. Hein. Ça sera juste terminé. Hein. 60. De toute façon, vas-y. Hein. Moi, ça saute derrière. De toute façon, ça va sauter là. Hein. Ok. Oh, mais ça, c'est horrible. Regardez ça. Et que je me coince dans le coin et que tu puisses rien faire. C'est la folie quand même. C'est un truc de ouf. Hein. Mon Laf a pas stack. Ah, mon Laf a rien pu faire surtout là, mais.
Ouais. En vrai, ouais. Je vais faire la même que lui. C'est-à-dire que je vais reculer mes persos pour que les siens puissent avancer aussi et je vais sauter dans le tas derrière. Mais bon. Le problème, c'est que, ouais. C'est que ça changera pas grand-chose pour moi, je pense. Oh putain, seulement. Seulement. Ouais, du coup, il va faire ça. Vas-y, hein, je vais faire ça. Faut qu'il s'avance un peu là, ça si là c'est tout là. Ouais, il bouge pas, ouais. Ouais, la Silas du coup elle bouge pas. Impossible que j'aille derrière. Salut la bière, ça vaut quoi? Bon mais dommage hein. Dommage, encore une deuxième place, on aura fait 1-2-2. Je crois. 1-2-2, je crois. Est-ce que... Non, on n'a pas fait une, genre une mauvaise place à un moment? Je me souviens plus. Ça va, ça va. Non, ça vaut rien. Le Hassel n'a pas de stuff. Ah oui, non, mais ça vaut rien, mais il fait quand même chier, tu vois. Genre, il se met derrière et se termine, quoi. C'est relou. En fait, il bloque, quoi. Astral n'a pas vraiment été nerf. Varus a pris un nerf, mais à côté d'autres, Astral ont pris un up. Ok. Ah oui, du coup, ça reste quand même fort. Ouais. Bon, après, je connais pas du tout la compo astrale. Et en vrai, j'aime pas trop ce côté à aller se faire... genre, tu vas te bloquer dans un coin et ça bouge plus, quoi. Par contre, le mec s'est fait sortir, il avait une dinguerie aussi. Hein. Comment il s'est fait sortir, ce type-là? Il avait double Neko, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Comment c'est possible? Terrible. Je sais que j'avais dit que c'était la dernière, mais je pense qu'on va juste continuer à jouer là. Si on peut, comme je disais, en vrai, on joue pour le The Event là. Et je pense qu'il y aura du Valorant aussi pour jouer pour le The Event, parce que je pense qu'il va y avoir des petits trucs qui vont être faits et ça va être sympa. Le fameux syndrome de la dernière, ouais. Alors, du coup, je répète, hein, si jamais sur le Discord de la Juice TV, ok, donc vous avez un channel World of Warcraft, ok. Non, c'est même pas un channel World of Warcraft. Attends, est-ce qu'il y a un channel World of Warcraft? Non, il n'y a pas de channel World of Warcraft à proprement parler, je crois. Mais, quand vous allez sur Adopt un Mate, vous pouvez @ World of Warcraft. Voilà. Et comme ça, tous les gens qui sont tags sur World of Warcraft, ben, on vous voit. Sinon, ben, en fait, vous m'envoyez un DM et je regroupe les gens. Et ensuite, j'enverrai des messages. Voilà. Ouais, voilà, il y a un role WoW, mais pas de chan WoW. Ça, on va le changer. Au pire, on le changera par rapport à The Cycle ou quoi. Et puis voilà quoi. Tranquille. Non. We have temps. Ah, t'as oublié. Ouais, 7 MV, ouais. Après, il y en a d'autres. Il y a tout Solari qui joue aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir jouer. Comme Adrien le disait, il y a peut-être genre 12, peut-être 15 personnes qui jouent à Valorant aussi, quoi. OMG Giant Instant comme ça, là. J'aime trop mon petit truc, là. Mbappé. Tuff shot. Rajouter une canonnière. Oui, oui, oui.
trop faire ça avec les persos. Hop là. Swim. Ok, un petit gant. Un petit gant, on sait jamais. Ça peut être intéressant. Dragomancer. Ça sera pour la suite. Rage Wing, Dragomancer. Rage Wing. Sinon, ça part sur full Astral, OMG. En fait, là, le truc, c'est que Astral, oui, mais je me souviens plus comment je faisais des... Pas le rôle pour le niveau, mais la pioche rapide, je me souviens plus. C'est pour ça que je l'attends pas non plus, en fait. Il y a un rôle WoW, mais pas... Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis con, mais c'est comme ça. Your champion dig an item, gain 200 mana, restore 3 mana par seconde, your unit will not fight active again. Oh, c'est naze. Ah, c'était une très très naze ça. Très 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 naze. Ouais. Mage astral. Bon, y a eu 5 persos astral là. On aurait pu partir sur une compo astral en vrai, mais comme je dis, en fait, je ne connais pas, je ne sais pas les items qu'il faut sur les compos astral et j'ai pas envie de jouer avec un site à côté. Donc la prochaine fois que je ferai du TFC, j'essaierai de me souvenir. Les 4. Nami, c'est trop fort. Nami, c'est trop fort. Tes conseils de jouer sur early prend plus les persos que tu as deux fois dans le rôle plutôt que les synergies, car les persos 2 étoiles, c'est plus fort en début de game. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, genre en gros, je devrais faire ça quoi. Ouais, de toute façon, ça sert à rien de faire ça. Ouais, peut-être. Whisper. Hop là, viens ici toi. Anivia ? Jade ! Non, je parle quand tu as trois fois un champion. Hein ? C'est ok. Parle des deux étoiles quand tu as trois fois un champion. Oui, en gros, t'es en mode à priority. Oui, c'est ça. Prioriser quelque chose que tu peux avoir plusieurs fois, quoi. Prioriser, est-ce que c'est une priorité? En faire une priorité? Enfin, le fait de prendre un up plutôt qu'un trait, c'est ça que tu es en train de me dire, Sir Sombre. Excuse-moi, hein. C'est vrai que je mange mes mots et on me comprend pas trop quand je parle, mais je pense que j'ai compris. Genre, le NA2, je la priorise à une synergie en début de game. Ok, je vois. Oh là là, ce heal qui a fait tout le board, quoi. Tu peux prioriser ou en faire ta priorité. Roger that. Roger. Alors,
Qu'est-ce qu'on veut? On veut une cape. Alors, on veut une cape ou une. Ouais, une cape, une cape. Vas-y, on va prendre une cape. Par pitié, par pitié, par pitié, d'accord. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pam pam. Pam pam. Bim boum. Bim bim. Boum bam. Est-ce que je mettrais... Je ferais pas ça en vrai. Shapeshifter, Anid. N. I don't like this very much. Prioriser. Ok. J'ai un truc selon lequel tu mets deux dragons, ça cancelle leur trait. Quelqu'un sait me dire si c'est vrai? Comment ça, si tu mets deux dragons, ça cancelle son trait? Bizarre parce qu'il n'y a pas une compo genre où tu dois avoir genre que des dragons par exemple. Oh bordel, j'ai vraiment de la merde. T'as pas un checker, c'est pris, c'est pris. Oui, tu vas avoir qu'un dragon activé sauf si t'as un augment. Ok, ok. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Tap, tap, tap. Atrox. Atrox avec Titan Resolve. Tellement d'HP. Tellement de Regen HP, pardon. Voilà, fait Horn. Parfait. Welcome to the club. Hop. Welcome to the club, club. Quatre briseurs, deux whisper, deux warrior. Taper. Ma compo là c'est taper. Taper. C'est trop lad. Encore des items, encore. 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 Oh, il me jette un dragon. Un item. Oui. Ok. Juste chier. Ok. C'est combien là? On monte. Astral 3. Tuez mon Olaf par pitié. S'il vous plaît, tuez Olaf. S'il vous plaît.
Oui, Vlad, vas-y, j'ai vu que t'étais en focus dessus. S'il te plaît, Vlad. Tuez-le, tuez-le. Oui. Enfin, quand même. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, ouais. Nami 2, Nami 2 qui va faire double kill. C'est sûr à 200%, c'est trop fort, Nami. OMG la moule. OMG la moule. Gain spat. Ouf. Ouais. C'est bien là. J'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. On est bien comme ça. Brom 2. Ok. Perfetto. Andiamo. Ok, il est de l'autre côté de la terre. C'est ok. On va tuer. La grenouille à bord, c'est parti. Bep. Allez, focus Olaf, s'il vous plaît. Focus. Oui. Oui. Allez, maintenant Olaf. Allez, tapez sur Olaf. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Tapez-y dessus, par pitié. Allez, Emerdinger là. Voilà, c'est bien. Ok, là ça va. Ah ben non, il n'a pas été tué en fait. D'accord. J'ai cru qu'Olaf avait été tué, mais non. Ok, je suis déçu. Je suis déçu. Bonne soirée, Dino. Gros bisous, merci d'avoir été là, Dino. Je te tiens au jus, mais tiens-moi au jus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Moi, le soir, je vais chercher des mates pour jouer Apex. Quand je pourrai, bien entendu, aussi. Les amis, j'ai pas Diana. Où elle est, Diana? Là, genre, j'ai un starter Olaf. Enfin, starter. 3-3 quand même. Avec Olaf, avec Assassin. Et il me manque deux de mes assassins. Je suis dégoûté. Salut, Dr. Cox. Ça va ou quoi? Attends, mais est-ce que c'est toujours la même musique qu'on a depuis, genre? On mettrait pas un peu de jazz? J'aime beaucoup le jazz. Chaudement? Ah bah je crois que tout le monde est un peu chaudement là aujourd'hui. Ah, un petit peu de jazz, ça fait plaisir. Ok. Oh, il nous faut une armure. Il nous faut l'armure de talon, il nous faudrait même talon. Après on peut garder talon. Je pense qu'on peut garder talon. Ouais, je pense qu'on va garder talon. Bonne soirée tout le monde, je file à la boxe pour devenir aussi strong que Jude. Let's go King Patate. King Patabaguette. Patate parce que bah patate du coup tu veux en mettre, mais en tout cas, courage. Tu fais de la... Attends, c'était quoi? Tu fais de la boxe anglaise toi? Tu fais de la du MMA? Je me souviens plus où. Quelle idée, on va faire ça. Hein. Boxe sur sec pour l'instant. Ok. T'inquiète, hein, c'est très bien aussi. Hein. Hop là, petit saut par dessus là, la deuxième barrière là. Olé. Qui fait le sac? Bah le sac du coup. Mais moi j'ai du mal à taper sur des gens que... Genre du toucher sur les gens que je connais, j'ai du mal. Alors je comprends le sac. Le sac c'est grave bien en vrai. Et je pense que le jour où j'aurai une petite maison avec un garage, je prends le sac parce que le...
La cardio à la boxe, c'est un truc de fou. Genre, vous voyez le Tabata que je fais sur le vélo, là? Vous faites le même avec vos bras pour la boxe. C'est un truc de... Les bras tombent. Pas de chocolat, après. Terminé, plus de chocolat. Jamais de chocolat. Jamais le chocolat, juste après cet exo. Diana! Bah quand même! Elle est là, chat. Du coup, il faudrait monter 56, là. On va faire ça. Va falloir full écho, là. Attends, sinon on fait ça. OMG. Après, Brom 2, c'est fort. Et là, il n'y a pas vraiment de... Notre lane, notre front lane était un peu bancal. J'ai envie de te dire. Et ça pourrait le faire, en vrai. Ça pourrait le faire comme ça, en attendant. Oui, oui, j'aime beaucoup ce qui se passe. Oui, oui, monsieur, dame. Le move était bon, le move était bon. Le move était bon. On a vu le Brom. Bon, le Brom est 2, on en a bien besoin. C'est fort. C'est beau. Il est costaud et il est chauve. C'est tout ce qu'on veut. Peut-être pas assez chauve, moi, cet été-là. Peut-être me faire la coupe à un moment, là. Un moment low. Ok, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Mais il faut qu'on aille vite, niveau 8. En vrai tu joues, est-ce que tu joues vraiment 6 à ça sur le jeu? Et si on joue 6 à ça, on joue avec quel front lane? Est-ce qu'on joue avec quoi on joue en vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Oh alors là par contre, c'est bien. Tac 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 tac. Y a un Zeke dispo ici. Zeke. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Le con. Oh non, une BT sur Diana. Si tu joues Horn, Chen 6 à ça, Solia, Brom 6 à ça, ok. J'étais idiot là. J'étais archi idiot, bordel. Bruiser gagne un 5, Under Health Attack Damage gagne Chen. Oh. Est-ce que c'est worse ça ou pas du tout? Je sais pas si c'est worse. C'est super strong? Ok, bon, on prend ça. En vrai, là, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas Olaf et j'ai pas Diana. Enfin, j'ai pas Olaf 2. Ok. Donc, pas Lilia et pas Brom. Donc, Shen et Horn. D'accord. Ok, bah, de toute façon, du coup, maintenant, on va tamper un peu le truc, en effet. Ok. C'est bien. Hein. Ça fait mal. Hein. Ok.
43. Ok, donc là on est obligé de passer sur ça. Ok, on a un chêne en plus ici. Donc Silas, pas besoin. Ouais, mais après, ouais, Silas, faudrait peut-être le prendre. Au pire. On sait jamais. En attendant, quoi. Ouais, c'est ça, exact, ouais, ça ressemble. C'est exactement pour ça. Allez, défonce-le, là, ce corki, là. OMG, dommage. Oh là là, Diana. Oh, ça m'énerve. Vous savez, ce qui m'énerve le plus dans ce jeu, c'est les focus. Les focus, t'es en mode, non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il faudrait un gant. Un gant pourrait être cool. Pas de gant du coup. Ah, du coup, on va prendre une Warmog. Hein. Ouais. Pas trop si c'était intéressant. Pareil, le monde d'item là. Salut Aguito, ça va bien? Ok, et là du coup on est parti. Là du coup, là bah si on pourrait avoir nos AD 2 et full écho quoi. Ça va être un problème. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Ah, une cape, on aurait fait un Calice of Power, ça aurait été cool aussi en vrai. Oh, regardez-moi ça. Bah ouais, heureusement qu'il s'est enlevé du coin là. Terrible ces mobs! Ça me rend fou! Pour le net, tu penses. Tu peux faire rentrer Siphène? Ah bon? Vas-y, on va quand même le garder. Si on peut avoir un chêne et tout en fonction. Voilà, le trésor juste derrière. En bleu. Bon, à part avoir un double bleu pour avoir peut-être un boule buff sur Horn. Pour être intéressant. Je sais pas trop quoi mettre comme item sur. Vous voyez quoi que. Enfin, ouais. Hand of Justice et je sais pas ce qu'on pourrait prendre comme autre item. Un Archangel Staff ou bien. Ou un Calice of Power. Je pense que Calice of Power ça peut être cool aussi sur la Diana. Ok, ça ressemble. C'est trop bien quand j'ai des questions-réponses. Ou genre des soi-disant et tout. Non, il faut faire ça ou oui, il faut faire ça. Je suis foutu. Ouais, mais un lucky, hein. Ils sont toujours un. Hein. Un lucky. Hein. Juste un lucky en fait. Je crois que je vais prendre direct. Hein. Alors attends, parce que là, ouais. Et ça, on a quoi? Avec Cap, Edge of Night. Oh, c'est pas mal, là. Je pense que je vais prendre. Vas-y, je prends direct. Hein. Je prends direct pour faire des trucs du style. Voilà. Hop, avec le calice. Par pitié. Voilà, et ça, Edge of Night.
Peut-être dû le mettre sur talon, le Edge of Night en vrai. Oh. Ça va être dur en vrai de monter à 67. Après, en fait, après, c'est quoi là le problème? Ah, mais en fait, là, il me faut juste Pyke. On est d'accord qu'on a dit Horn et Chaîne. Oh, on a dit Horn et Chaîne. Ouais, il faut Horn et Chaîne en front lane et le reste ça saute. Il se passe des trucs là avec Neko là dans le tas là. Après là, ce qui est malheureux, c'est que déjà c'était un Jade et c'était full bloqué dans le coin là-bas. Et en plus de ça, on n'a pas de Sunfire. Donc pas de réduc soin, surtout contre un Jade, c'est horrible. Et on n'a pas de réduc au niveau des AP quoi. Donc la game risque quand même d'être difficile. Sachant que bordel, c'est pas possible ça. Bah ouais, je veux mes trucs là. Il a fait un Olaf Whisper? Il joue quoi lui? Si Whisper un dragon 4 briseurs? Il y a une grosse comp aussi. Lui. Dragon de Jade est tellement broken, c'est abusé. Mais en fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, tu... En fait, si t'as de la E, ça saute vite, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu dois taper dessus, c'est archi chiant. Surtout quand t'as les passifs de trait qui font qu'il y a des explosions et ce genre de trucs, là. Ouais, je sais, Finaboy. Mais le truc, c'est qu'en fait... Mais je crois qu'il existe un add-on... Pour savoir contre qui tu vas jouer. J'ai entendu parler de ça et j'étais en mode, mais c'est du hack ça, non? J'étais en mode, mais c'est triché ça, non monsieur? Ok. En fait non, il te dit pas contre qui tu vas jouer, mais contre qui tu vas pouvoir jouer. Bah, de toute façon, le truc... C'est que... En fait là ça dépend... Bon là on s'est... C'est vraiment bien placé là-bas. Là c'est... Là il a pas eu de chance quoi. Là il a clairement pas eu de chance. Sa backlane elle est... Mettez tank en dernière ligne juste. Comment ça, Jalaga, comment ça, dernière ligne? Ils sont pas en dernière ligne, mettons? Ah, tu veux dire genre ici pour que mes assassins puissent sauter plus loin? Attends, je comprends pas. Attendez, ça m'intéresse comme info. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un pike? Oh putain, ça c'est intéressant de fou en vrai. J'ai très envie de le prendre. Par pitié, monsieur. Oui! Ouais, donc je mets ma front lane ici et les assassins juste derrière. Enfin, juste devant, du coup. C'est ça que tu veux que je fasse? Bah ouais, je crois que ça marchera pas. Donc Jalaga, si je perds celle-là, c'est ta faute. Parce que là, je tape directement les fronts de l'énergie, c'est ça? Let's go, Jalaga. C'est ok. Enfin, c'est pas du tout ok, mais tant pis. Je vais être le Théo si jamais.
pas cool, ouais. Putain, moi qui crois les gens comme ça, là, je suis trop gentil, hein. Trop gentil. Alors que si j'avais fait ce que j'avais dit, ça aurait été free win, là. Hop. J'ai vraiment besoin. Et là, en fait, j'ai besoin de rien à part laisser tomber sur Pike, en fait. Non. Ouais, en fait là je chope Pike. J'enlève Silas. Et c'est terminé, en fait. Faut chercher Olaf 3 dans cette comp. Ah bah, de toute façon, faut toujours essayer de trouver des AD carry. Si on peut les monter 3, c'est bien, quoi. Ah, le problème, c'est que... Le problème, c'est que je suis nul à chier. Et ça c'est un très gros problème. Ça c'est un très gros problème. Pur mais Shyvana, OMG. Il veut pas. En fait là... Ouais non. C'est... En fait je sais que j'arrivais pas à monter 9. Donc là mon objectif c'est vraiment essayer de choper ce qu'il faut, quoi. Ouais, bah il y a Olaf 3 là. Hein. Le Whisper, il a eu Olaf 3, John. Oh, ça va être dur. Ok. Oh, mais vraiment, double titan resolve. Vas-y, mais c'est trop chiant les dragons. Hein. Tape dessus. Tape dessus cette merde. Oh, il casse, toi, vraiment, vos items de mort. Eh ben, Lucky. Moi, au pire, je fais ça, je tente le hold-up. L'adversaire vient de rage kit. Ouais, je pense. Hein. On est passé 3, les amis. Hein. 3. Oh putain, j'ai failli faire une connerie. J'espère que c'est pas sûr. Ouais, c'est le mec à gauche. Ouais, c'est sûr. C'était sûr. Et merde, normalement, il va sauter en stand. Mais... C'est l'autre. C'est les autres qu'il faut avoir. Olaf, il met des claques, Olaf, mais j'aurais tellement voulu qu'il mette des claques dans la backlane, en fait. Ça n'est sorti. T'es abusé. Bon, je l'aurais pas. En vrai, Olaf 3... No Pike! Juste no Pike, en fait. Il a double dragon, lui? Oh, pas du tout.
Neko? Mais pourquoi il a mis Neko en Silas? Je comprends pas ce qu'il a fait. Neko pour Silas au lieu du Drake? Après, est-ce qu'elle a vraiment besoin? En fait, elle a pas besoin. Est-ce que le Drake tue tout le monde là, non? Le Drake va tuer tout le monde. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Putain, mais c'est n'importe quoi! C'est un truc de fou! C'est à chier! Si jamais pour savoir qui tu peux tag, il y a deux petites épées qui se croisent souvent le nombre d'HP des adversaires. Ah non, ouais, c'est sûr. Bah, dans cette game-là, oui, le problème, c'est que je n'ai pas d'anti-heal. Ah oui, non, mais ça je l'ai dit en plus de ça, hein, je crois. Hein. Et vous avez vu, c'est dommage parce que c'est la seule game... Bon, on prend des points, hein, bien entendu. Hein, mais c'est la seule game où on n'a pas vu Pyke. Alors que j'ai un early Olaf assassin. C'est un truc de fou. La RNG du jeu est insane, en vrai. C'est juste la dinguerie. C'est juste la dinguerie, en vrai. Mais bon, c'est cool. On était gold 4 dans les bas-fonds. On a quand même monté de 1. Et en vrai, si on continue jusqu'à 19, là, je pense qu'on... À part si j'essaie d'en refaire une et on prend les points. Mais en vrai, je sais pas. En vrai, je pense pas. Parce que la game dure 30 minutes, 45 minutes. En vrai, pour le sport, c'est trop chiant. Le soir, je finis à 20h30, 21h. Là, je suis en mode bon, les gars. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, on va regarder vite fait ensemble là pour demain. Hop. Pour la VR. Comme ça, je vous dis un petit peu les jeux là. Oh, j'ai pas vu ça hier. Donc, il y a plusieurs idées. Il y a plusieurs idées actuellement. Après, je me souviens plus du tout des noms, ce genre de trucs, mais je vois qu'il y en a ici. Il y avait Boneworks, Blade and Sorcery. Il y avait quoi? Errance Cosmique, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Steel Crew en VR. Non, je connais pas. En fait, j'essaye de voir un peu certains trucs. Après, il y a le Cooking Simulator aussi, là, qui peut être marrant, en vrai. Il y a pas mal de petits concepts super sympathiques en vrai. On avait vu aussi, il y avait Pavlov ou je sais pas quoi. C'est un gros VR avec pas mal de modes à ce que j'ai vu, qui est actuellement un des mieux notés en termes de FPS vis-à-vis de ça. Bon, Green Hill en VR c'est mort. Ragnarok Hellfest. Le mec fait de la musique et tout. Ouais, il semblerait que ça soit un bon CSGO-like. Ouais. Quelque chose du genre. Voilà, il est là, Pavlov. Voilà, regardez, il est en très positive. Et en fait, ça a l'air d'être un truc assez, assez bien foutu, en tout cas. Donc, à voir. Après ça coûte... genre, les jeux que j'ai vus, ça coûte quand même entre... Ouais, c'est entre 30 balles, quoi. Quelque chose du style. Legendary Tales. Donc, en tout cas, je pense Zero Calibur. Mais Zero Calibur, ça, je crois qu'on avait testé. C'était naze. Mais Steel Crew, je vois pas ce que c'est. Avec qui lui a dû jouer dessus, il est sympa. Ah ouais? Attends, je vais regarder ce que tu me dis par rapport à Steel Crew. Merde. En VR? Attends, tu conduis un tank en VR? Attends, mais tu fais tout dans le tank ou tu conduis juste en VR, en fait? M4 German, le T-34 sont deux parties. Vous aurez vos coordonnées parfaitement entre pilote et tireur sous la
Chef de char pour espérer sur... Oh putain, ça a l'air stylé de fou. Le français, s'il vous plaît. Réflexion profonde. Jeu avec un avenir prometteur s'il n'est pas abandonné par le seul développeur. Ça, oui, mais en fait, pour moi, en fait, ce qui est difficile avec la VR actuellement, et je pense qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, c'est que, ok, on a la VR actuelle et c'est cool, mais je trouve que c'est... Alors, ça a été peut-être trop avancé et c'est trop cher, en fait. Du coup, en fait, les jeux multi en VR, moi, ça me fait peur parce que je suis en mode, on va être deux dans la game, quoi. Bulbu, merci pour les 1 an, en tout cas, et les 12 mois, en tout cas, sur la chaîne. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une superbe journée. Merci beaucoup aussi à Yabis pour son prime, son 4e mois aussi. Merci beaucoup. HBWoo qui a follow la chaîne aussi, et Sakagi, peut-être, pour son follow aussi. Merci beaucoup pour votre soutien. Et en vrai, peut-être que oui. Peut-être que oui, des jeux comme ça, ou genre cuisine et tout, pourraient m'intéresser. Genre la VR F1, revenir un petit peu avec le volant, ça fait très longtemps. Ça fait 2 semaines, je regarde un peu la F1 en fonction des horaires et tout. Enfin, genre, je sais pas, il y a plein de trucs à faire avec la VR, je pense. Mais j'ai juste peur du côté multi de la VR, parce que le matos coûte quand même cher. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens aussi qui peuvent se la payer. Et ça me ferait chier de me trouver sur un jeu où il n'y a que 2 personnes en multi, quoi. Après, il faut essayer de toute façon, et je suis streamer, je suis là pour essayer les choses, donc... Donc à voir un petit peu comment ça peut se passer, quoi. Mother Gunship Forge. C'est quoi ça? Par pitié. Par pitié. Ça tire partout et tout. Donc ça, je verrai ce soir. Mais en vrai, ça a l'air insane en vrai. Les évaluations sont extrêmement positives. Donc à voir aussi. Medieval Fantasy Sandbox. Et c'est un solo en fait. Donc à voir un petit peu comment ça marche. Mais ça a l'air archi stylé. C'est vraiment naze, ça coûte cher pour peu de jeux bien. Oui, c'est un peu ça. Hein. Il y a le mode Star Wars. What the fuck. Ça, c'est un truc que DRK kiffe de fou. Et je crois que c'est très positif aussi. Il y a pas mal de possibilités en jeu. Que ça soit magie, corps à corps. Il y a pas mal de trucs. Ça nous fait penser aussi à un peu à Half-Life. Donc, c'est peut-être un peu... Voilà, c'est peut-être un peu sur ce jeu-là qu'on va se jeter. En fonction d'eux. Mais moi, j'avais envie de voir autre chose, en quelque sorte. Mais en tout cas, il y a quelques jeux. Il y a quelques jeux, mais je fais quand même attention à que ça soit pas trop le bordel non plus. Mais ouais, en tout cas, Pavlov, c'est le seul que j'ai vu où les gens étaient en mode « Ok, let's go », quoi. Donc, à voir. Expérience populaire. Beat Saber, moi. Ouais, vous voyez, genre là, il y a en expérience populaire, Blade Sorcery, Pavlov, Gorilla Attack, je sais pas du tout ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a Bone qui est là. The Elder Scrolls 5 Skyrim VR. Après, ça tombe bien, ça, j'ai jamais joué, du coup, je pourrais peut-être le jouer VR, vous voyez ce que je veux dire? Best jeu, mais pas streamable. Ah ouais? C'est pas streamable? Aïe, aïe, aïe. Arizona, on a vu avec DRK, et franchement, c'est horrible. Je dois avouer que c'est un peu horrible. Alors, celui-là, ça me fait penser, ça fait penser un peu genre à un Escape from Tarkov ou même à un Stalker. Mais genre, c'est très bizarre. The land of opportunities. The committee assures you that the Majorsk security zone is under total control. En fait, ouais, c'est genre un Stalker, Fallout, même Daisy, mais genre c'est trop bizarre. Je sais pas si le son était fort et que ça vous a tué les oreilles, mais... Ouais, il y a genre... By taking advantage of our free will missions program, you will access advanced and reliable equipment. Balanced nutrition.
Et pareil, vous voyez, c'est à ce moment-là où je suis d'accord en mode la VR c'est sorti trop tôt, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais voilà quoi. Apparemment, si tu fais VR cuisine, il y a un blue screen, si tu fais pizza à l'ananas. Ça, c'est pas cool, mais c'est cool. Après, c'est dommage, t'imagines ? T'achètes un jeu 60 balles en VR. Et genre, bah, du coup, bah, tu fais une pizza à l'ananas et t'es foutu, quoi. Mais bon. En tout cas, écoutez, j'espère que cette journée, bah, du coup, TFT vous aura plu. Franchement, on a fait de bons résultats, je trouvais ça cool. On a fait, bah, on a fait 1, 2, 2, 2, 2, 2, quasi... enfin, je sais pas combien de games on a fait. Mais en gros, c'était pas dégueu. Je crois qu'on a vraiment fait un... On a fait premier, deuxième, deuxième, troisième. On a fait 4 games, je crois. On a fait 4 games ou 5 games ? Non, je pense qu'on a fait... On a fait 4 games, je pense. 4 ou 5 games, je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'on a fait 1, 2, 2, 2, 3. Donc voilà, quoi. En tout cas... bah merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une après-midi assez chill et vous avez pu vous reposer tranquillement. Et j'espère que les gens qui étaient au taf, bah, ça allait, vous n'êtes pas fait attraper en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux gens qui ont follow la chaîne aujourd'hui. Merci aux gens qui ont resub et qui se sont abonnés peut-être pour la première fois. Merci à vous. Merci aussi d'avoir participé sur le chat. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir tipsé. Et merci qu'on ait échangé ensemble. On se retrouve demain. Après-midi pour de la VR. Le jeu, bah, vous le découvrirez probablement demain sur le live, d'accord ? Mais on va réfléchir à ça, parce qu'il va falloir le CFG, tout simplement. Donc, encore une fois, peut-être, du coup, le matin, le soir, regardez le channel World of Warcraft. Il y a moyen que je fasse des arrobas dedans pour trouver des gens pour faire tout simplement des games. Et je crois qu'actuellement sur World of Warcraft, tu peux jouer avec les alliés et les hordeux, c'est ça ? Donc pour inviter des alliés, bah, il faudra juste que je rentre vos Battle Pass, quoi. Je crois que c'est ça. Hein. Comme ça, on pourra... Je sais pas comment on peut grouper ou c'est juste aléatoirement que tu peux grouper avec les autres, du coup. Je sais pas comment ça marche. Donc voilà, faudra m'expliquer. Si jamais il y en a qui veulent bien m'expliquer en DM ou quoi, si on peut grouper entre alliés ou hordeux ou c'est juste que le fait de rentrer dans une instance aléatoirement, bah, ça attaque des gens aléatoirement aussi de l'autre faction. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, je n'ai pas demandé aux copains qui jouent à WoW, quoi. Du coup, j'en profite. Donc voilà. Bah écoutez, du coup, moi, je vais aller tout simplement me préparer pour mon sport. On se retrouve demain et sur Discord pour les autres. Je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir été là. Et soyez sages. Gros bisous. Ciao.